Oh là là, mais j'ai peur. J'ai peur de faire de la merde. Vous savez que ça me fait peur, j'étais RP, moi. Parce que les gens, c'est tous des tryharders. Ils ont des heures et des heures et des heures. Et des heures, et encore, je suis gentil, ils ont des milliers d'heures. Mais j'ai peur. Voilà, j'ai peur, je panique. Là, j'aime pas, j'étais RP, ça met trop la pression. Je vais être un joueur normal. Et je vais être naturel. Je vais être... Comme je suis sur Burt et Chad, je vais être là-bas. Prénom, Nordine. Nordine Bourras. Ça va, c'est un petit beau gosse en vrai. Hey Ping Pong. Oh, allô, t'es là ou pas? Tu m'appelles comment là? Mais tu fais quoi là? T'attends quoi là? Tu vas rester là jusqu'à demain ou wow, faut entreprendre des choses dans sa vie. Réveille-toi Ping Pong. C'est quoi? Tu fais quoi dans la vie toi? Voilà, pour l'instant rien. Ah bah fais des trucs un peu. Allez, va me faire trois chaussures, reviens. Quoi? Quoi coupé? Pardon. J'ai fait comme des koalas, mais dans le jeu. Et je vais le faire à tout le monde. Comment on sort le... Oh, mais j'ai oublié, je connais zéro touche. Comment on sort les inventaires, les téléphones, des trucs comme ça, là? Mais je crois que je peux la prendre, la voiture, là. Oh, je suis un policier, wesh. Arrête, tu fais les fils. C'est trop tard. Voilà, on l'a volé, c'est trop tard. On peut plus revenir en arrière. Ça y est, c'est trop tard. Je l'ai... Il a fait les fils. De toute façon, on n'est pas policier encore. On n'est pas encore allé à l'SP World. On va s'acheter un téléphone, on va s'habiller et on va à la police. Et après, on commence les choses sérieuses là-bas. Par contre, je sais pas si j'ai des soucis, j'ai 1000 là. Et ça coûte 125. C'est un Huawei ou quoi? Ok, utiliser. Non, comment on l'achète? Comment on l'achète? Comme ça? Ouais, c'est si simple que ça. Attendez, on prend du Hoobs, au cas où, on sait jamais. Il y a eu plein de fois où je meurs de Hoobs à chaque fois. Spray, mais c'est quoi ces trucs? Je prends, on sait jamais. Attendez, on va tester le troisième truc là qu'on a pris. Ça là, spray, c'est quoi ça? Utiliser. Entrer quelque chose. Quoi? Bah. Viser le mur? Quel mur? Faut un mur? Attendez, on va chercher un mur. Ça, c'est un mur, ça. Wesh! C'est quoi ce truc? Ah! Je suis en train. Mais je fais tout ce que. Voilà, je fais tout ce qu'il faut pas faire en tant que policier. Je suis en train de faire un tag, là! Oh putain, voilà, je vais me faire virer alors que j'ai même pas commencé. Mais c'était pour tester, moi! Mais arrête, je peux pas annuler! En plus, ça. En plus, ça a écrit Uber. Le quoi, il est resté dans le mur. Putain, mais j'ai flop. Je suis obligé de le refaire bien. Ça me stresse. Voilà, désolé, je sais que je suis policier. Oh non, mais faut en racheter du coup. Ah, vas-y, ça y est, frère. Bon, allez, on va à la police. On va faire nos vrais trucs de policier. Personne saura qu'on a tagué. Personne saura qu'on a fait les fuites d'une voiture. Oh putain. Bonjour. Bonjour. Wow, vous faites quoi ici tout seul comme une statue? Je fais quoi que bah. Non, pardon. Regardez. Je vais vous montrer un truc. C'est un truc, c'est trop marrant. Venez vers moi. Ah bon? Mais j'ai rien demandé, moi, vous avez montré. Hop là. Ah, mais pourquoi j'ai... Eh, vous allez nettoyer ça. Ah, mais qui c'est les... Oh là là, les jeunes de nos jours. C'est qui a fait ça, là? C'est inadmissible. Heureusement que j'aime bien nettoyer, dis donc. Je vais nettoyer ça. Attendez, on va... Vous êtes vraiment une bonne personne. Allez, on nettoie. Rendez-moi ça, tout beau, là. Oh là là, ça va être tout beau, mais... Eh, il faut faire un truc contre ce genre de situation. Les jeunes, là, il faut les calmer, c'est plus possible de... Ah, mais on va les calmer, vous inquiétez pas. Je crois que c'est pas assez propre, nettoie, continue à nettoyer. C'est bon, là, ça brille. Regarde, ça brille, et je parle pas de Ramzy, hein. Ça brille pas. Vas-y. Non, mais c'est bon, là, arrêtez, vous... Ouais, allez, salut. Vas-y, lui. Et c'est une dinguerie d'avoir peur de la police, alors que c'est moi, la police. On va aller à la police. Ah non, on va s'habiller, on va aller changer d'habit juste là. Et après, on va à la police. Allez, on va s'habiller. Alors, t-shirt. Wesh, je suis dans les backrooms ou quoi? Il se passe quoi, là? Pourquoi je me vois pas? Oh, il y a un petit problème, là. Appuyez pour sélectionner cet article. Ça bug, mais comment je vais m'habiller, du coup? Oh, putain, je pourrais pas m'habiller. T-shirt, torse. Vas-y, je vais prendre des trucs au hasard, hein. C'est un bon concept, on va s'habiller au hasard. Vu qu'on voit pas, on va prendre des trucs au pif. On va prendre le t-shirt numéro... Vas-y, le chat, je vous laisse décider du numéro. Numéro 4, ok, le premier, il a dit 4. T-shirt numéro 4. Ok, on a un t-shirt, déjà. On va le tester. C'est moi, je vais décider. Ok, t-shirt numéro 10. Comme Zizou, je le sens bien. Par contre, là, c'est vraiment la merde, là. Wesh, on dirait un mec qui a des problèmes dans sa vie. Je suis policier, à la base. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a même pas de coude. Voilà! Ça m'a mis un bandana. Bon, c'est pas grave, c'est stylé. Il est stylé, comme ça. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Ça y est, c'est le mieux qu'on ait trouvé. Allez, on va à la police. C'est parti. C'est où, la police? Il a pas de bras. Arrête de mentir. Oh, putain, j'ai pas de bras. J'ai pas de bras. De toute façon, le bras, je sais comment on le met. Allez, bras. Ok, bras, on va prendre le 8. Allez, hop, allez. Mets-moi un bras, là. Il a encore plus perdu de bras. Ah, c'est trop une dinguerie, voilà. Allez, là, c'est la bonne.
quelqu'un? Y'a quelqu'un ou pas? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous, vous êtes? Nordine Bourras, et vous? Ah, Nordine Bourras, je suis le capitaine Pierre. C'est vous qui avez été affecté dans le département? C'est ça, exactement. C'est moi, Nordine. Pourquoi vous êtes venu avec votre tenue de gangster avec le... Ben, non, en fait, ça peut... Oh là là, vous me faites peur. Ça peut prêter à confusion, mais en fait, c'est un mouchoir. Parce que je suis enrhumé, j'ai de la hanouna. Mais bon, chaîne du nez, du coup, bah, il est devenu rouge. Mais c'est pas... Allez, dans mon bureau. Allez, ok. Vous avez des trous, vous êtes venu, c'est comme ça qu'on se fait accueillir dans un poste de police, j'ai des trous, ah ouais, j'ai des trous sur le t-shirt. Ah, ça a dû être tout à l'heure. Ah, vous prenez ça à la légère, j'ai l'impression. Non, non, vraiment pas, c'est juste que, voilà quoi, c'est... Pourquoi... De toute façon, on va tous mourir un jour. Pourquoi on s'attristerait sur ce t-shirt qui n'est qu'éphémère dans cette vie d'ici-bas? Ah, quand même, votre... C'est important de bien être présent, quoi, et de bien être bien présenté le premier jour. C'est vrai, j'aurais pu faire un effort, je m'excuse. Bon, du coup, apparemment, vous avez bien été officier, vous connaissez un petit peu les bases du métier. C'est ça, j'ai déjà été officier, j'ai pas exercé très longtemps, du coup, je suis pas encore très très calé, mais voilà, après à Marseille, on m'appelait le super policier, parce que j'étais un peu le plus fort de tous. On m'appelait Super Nono. D'ailleurs, si vous voulez m'appeler comme ça, ça me dérange pas, c'est... Super Nono ? Super Nono, exact. Et bah, je vais vous donner du coup votre badge, je tenais votre badge pour vous. Mon badge ? Waouh, merci. Et je vais donc vous donner du coup au vestiaire, allez, monsieur et moi. Bon, vous allez mettre cette tenue, vous allez vous occuper du monsieur à l'accueil, là. Hop, alors, hop, c'est pour vous. C'est comment mettre une tenue ? Bien sûr, vous m'avez pris pour qui quand même, monsieur ? Bien sûr, je sais, ma maman, elle m'a appris quand j'étais un bébé. Allez-y, mettez-le. Voilà, magnifique. Hop là, tout frais, tout beau gosse. Bon, allez-y, accueillez cette personne, occupez-vous de lui, je vous observe. Bonsoir, monsieur. Quel est l'outil de votre souci ? Je dois pointer. Oh, vous êtes un pointeur ? Alors, Belek, qu'est-ce que tu dis ? Pardon, mais je comprends pas votre langage, Belek, c'est-à-dire ? Je dois pointer. Ah, d'accord. Ben, venez avec moi, on va pointer. Vous venez avec nous, capitaine ? Allez-y, pointez-le. Et pointez-moi. Non, là, pointez-le. Ben, je te pointe. Non. Non ? Il est vraiment incompétent, hein. Faut savoir de quel pointage on parle. Faut être plus précis. Vous êtes le pointeur et lui il pointe. Mais je suis pas un pointeur. Bon, allez, venez, on va pointer. C'est vous le pointeur. C'est toi le pointeur. C'est moi. Non, moi je dois être pointé et toi tu pointes. Mais moi je suis pas un pointeur. C'est pas moi qui veux pointer. Moi je dois être pointé. Mais c'est moi qui dois pointer, capitaine, ou c'est lui? J'ai pas compris. Oui, c'est toi qui dois pointer. C'est vous le pointeur dans l'histoire là. Mais je suis pas un pointeur. J'ai pas envie de pointer. Non, si tu me pointes. Mais là je te pointe là, mais là je te pointe pas, là c'est toi qui vas pointer là. Faut pas que tu me pointes avec le doigt, faut que tu pointes comme quoi je suis venu pointer, et toi tu me pointes. Ah, mais capitaine, on m'a pas appris à faire ça moi. Eh bah, il y a un premier jour pour tout, hein. Allez-y, hop, les bureaux ils sont là, je demande. Allez, c'est parti, on va pointer ensemble, on est tous des pointeurs je crois, allez. Monsieur, alors, connaître votre immatricule? Mon matricule, je vais laisser le capitaine vous le dire, hein. 13. 13, c'est 13. C'est 13, comme de là où je viens. Vous voulez pas le mettre 16? Oh! Quoi? Quoi, coupé? Allez, hop, on pointe. Inch'Allah, j'ai ma mère, tu fais des blagues comme ça? Prénom, s'il vous plaît. Yazid. Encore un Warzazat, allez, hop. Nom de famille? Par cœur. Eh ben, je rattrape bien le truc, là. Ah bah ouais, ouais. Ah bah, on fait les choses à moitié, dis donc, Yazid. Il fallait aller jusqu'au bout. Hop là, c'est bon, on a pointé. C'est vraiment bon, vous pouvez vérifier 04. Vous avez pris sa carte ou pas, Nordine? Il a rien pris. Bah, j'ai pris son nom de famille, son prénom, ça suffit, ça y est. Non, vous prenez pas. Allez, sa carte, sa carte. Bon, allez, si vous voulez, donnez-moi votre carte, Yazid, monsieur. Yazid, monsieur. Voilà. Hop là, Yazid par cœur. Rien qui va. Allez, hop. Hop, pointe. Et vous, Nordine, comment? Nordine Bourras. À tout qui va, moi c'est complet. 100%, quelle origine? Marocain et vous? Marocain, nous, la Rasba. Ah, oh, on est où là? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ah, continuez à me pointer, s'il vous plaît. Ok, on pointe. C'est bon, on a pointé là. Merci, monsieur. Nordine, tu donnes un petit gilet pare-balles. Vous l'emmenez sur le terrain? Ouais, mais j'ai mis un gilet pare-balles là. Il tombera pas ce soir. Bon, bah parfait, bah écoutez, monsieur Yazid, je sais pas quoi là. Bonne soirée à vous. Nono, tu me le ramènes à l'accueil celui-là? Allez, on y va, Yazid. Allez, Nono. Allez, mon pote, on y va. Vous avez déjà vu un arabe avec une Porsche devant là? Ah, vous l'avez volé, non, cette Porsche? Eh non, je l'ai acheté. Ah bon, avec l'argent de la banque. Allez, bonne soirée. Avec l'argent de votre banque. Bisous, Yazid. Ciao, ciao. Yazid. Merci, au revoir. Est-ce que ça serait possible d'avoir le magnifique numéro de ce magnifique Nordine? Ah ouais, vous allez vite en besogne, Yazid, quand même. Tu viens de me pointer, je peux avoir ton numéro quand même. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, ben c'est pas bon. Tu vas dans contact, airdrop. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je suis pas trop iPhone, moi, c'est pour ça, je suis plus Huawei, désolé. Ouais, j'ai capté. Huawei? Ouais, bon. D'ailleurs c'est une bonne boisson du bled ça. Je sais pas si tu connais mon cher Yazid. C'est le meilleur, c'est Selecto. Alors là, j'ai envie de te cracher dessus, désolé. Avec tout le respect que j'ai pour toi, cette boisson chimique qui a le goût d'une sucette. Si je peux me permettre, Nordine, t'enlèves maintenant ton uniforme et on se la donne. Juste pour une boisson, crois-moi. Moi, je suis prêt à défendre le Huawei jusqu'au bout, je te le dis tout de suite. Oh, Nordine. J'ai le droit, capitaine. Parce que là, il a mal parlé du Huawei et... Ah, là, il a le droit. Allez hop, laisse-moi revenir, je vais changer ma petite culotte, je reviens. Est-ce que t'es prêt, mon pote? Non, d'abord, je propose une bagarre vocale avant d'en venir aux mains. D'accord.
dire. Moi, je vais te dire pourquoi le Sénégal. Je vais essayer de te convaincre. J'espère que t'es pas têtu, parce que moi, ça m'arrive de changer d'avis dans la vie. J'espère que je vais réussir à te faire changer d'avis. Alors, tu tires à voir les ingrédients du Selecto. Il y a écrit acide sulfurique, il y a écrit javel, il y a des trucs qui existent même pas dans la physique chimie. D'accord ? Ouais. Tu vas me dire que tu veux mettre ça dans ton petit ventre ? T'es fou ? Ah, mais tu veux qu'on se tape, t'es sûr ? Ah, ok. Le Selecto, ça a le goût du coca. Je vais te sortir ma meilleure attaque. Super. Smash. Pas mal. Pas mal. Attention, le cul. Oh, je tape dans les couilles. Vas-y, Nordine. Attention, Nordine. Ça, c'est le Maroc. Ça, c'est Marseille. Ça, c'est Marseille. C'est le Maroc. Yazid, par cœur. Moi, je suis un vrai arabe. Tiens, pardon. Ah, il fait mal, voilà, il tape trop fort, capitaine. Ah, il m'avait mal. Il m'a cassé une dent, je crois. Ah, connard, c'était une farce. C'était un piège. T'as cru. Ah, je tapais dans le. Tiens, c'est pas. Tiens, mais arrête de taper dans les couilles, ça. Tiens, tu l'as pas vu venir, celle-là, dans ta petite. Allez, ça dégage. T'as pas de sélecto ici. C'est bon, calme-toi. Non, non, calme-toi. C'est bon, je suis calme. Mais tu parles pas mal du Hawaï comme ça. En tout cas, ce fut un plaisir de faire ta connaissance avec pareil. Cette magnifique bagarre. J'ai envie de devenir ton meilleur pote carrément. J'aime bien devenir le pote de ceux qui me tapent. Eh ben, j'ai pris ton numéro. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait les meilleures rencontres. C'est vrai. C'est comme ça que ça commence, les amitiés. Peut-être qu'on va être les meilleurs potes pour la vie. On sait pas. J'ai une question, les deux là. Oui, les deux arabes là. C'est normal qu'il y ait votre drapeau ou mon poste de police là. C'est vrai que l'Algérie est un peu partout. Alors, il y a trois. Mais pourquoi il y a ça ? Si je peux me permettre, 3, 2, 1, Tahia Jazir. T'es le seul là. Oui, t'es le seul là. C'est le Maroc, moi. Regarde, tu vois pas mon petit drapeau du Maroc dans ma fesse droite. Voilà. Ça, c'est le drapeau du Maroc, ça. C'est le drapeau. Bon, allez, toi, je sais pas où elle est, mais. Bon, allez, super. Bah, on part en patrouille. Y'en a comme petit. Allez, on va en patrouille. Allez, Nordine Bolas, tu me dis. En espérant se revoir sur un braquage. Allez, ça, c'est. Oui. C'est quoi, c'est des menaces que vous le faites là? Ben non, ça peut être un braquage. Il va braquer mon cœur, je sais pas. Il y a plein de types de braquages, monsieur. N'oubliez pas qu'il me pointe. Vous voulez braquer son cœur? Oui. Ok, très bien. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, c'est une relation entre moi et monsieur Nono. Oula. J'aime bien quand tu me parles comme ça, Yazid. T'aimes bien quand je te parle comme ça, petite coquine. J'aime bien. Ta petite coquine, ta petite moustache là, je vais te caresser comme ça, te faire plein de petits trucs. Arrête, pas ici, après. Ouais, plus tard. Oh non, service, bordel de merde. Ouais, c'est désolé. Putain, il est malade. Hey, Nordine, c'est un brigand lui, hein, de mais base. Il est malade ce mec, mais. Il est complètement fou. Moi, je faisais exprès de rentrer dans son jeu. C'est un psychopathe ou quoi? Bon, remets ta tenue pour avoir le petit Glock tout autour là. Remets-la proprement. Hop là. Normalement dessus t'as tout hein, t'as l'équipement normalement. Voilà, ouais. On est regarde tout beau. Regarde si t'as ton Glock et tout, t'as tout. Ah j'ai tout là, je suis prêt à casser de la racaille là. Je mets mon petit gilet. Ouais s'il te plaît, et n'oublie pas dans ta petite tablette F6 tu prends ton statut de service. Comment t'auras tous les appels. Hop là c'est fait capitaine. Et allez viens c'est parti. Allez c'est super on y va. Bon, première étape quand t'arrives en ville, t'as trouvé une maison déjà ou pas encore là? Waouh, c'est démodé les maisons maintenant. Ah bah moi j'habite dans un quartier, j'habite dans un bloc. Ah bon? Ouais. Mais ça, il doit y avoir beaucoup de voyous là-bas non? Ouais plutôt, c'est un peu la Castellane quoi. Mais vous aimez bien ou c'est parce que vous avez pas les moyens? Attendez, vous pensez vraiment que j'ai pas les moyens moi, capitaine de police? Mais pourquoi vous allez pas habiter dans une belle villa alors, dis donc? Ah c'est vrai que j'ai pas trop les moyens mais bon... Ah bah faut savoir hein. On fait avec ce qu'on a quoi. Ah... Ok. Bon allez go, on part en patrouille. Bon je te préviens, ce soir c'est la guerre. C'est agité, y a beaucoup de voyous là. Il y a du people, je te mets pas la radio le premier soir sinon tu vas avoir mal à la tête. Wow, comment on enlève ça là? Justement t'auras l'air tranquillement, d'accord. Wow. C'est ton premier jour, t'es en mode un petit peu observation, ok. Capitaine. Dites-moi jeune homme. Comment on enlève le Spotify là? Spotify, c'est-à-dire Ah, bah vous entendez pas la musique là? Bah c'est la petite roulette, la roue. J'enlève ta place, hop, ah, voilà. Ah oui, mais c'était pour voir si vous avez suivi. Mais je suis bien mon petit Nordine. Bon alors les gangsters, il y en a beaucoup dans cette ville. Hein. Ok. Pas te mentir, il y a pas mal de gangsters, il faut un peu trop les voyous. Donc, du coup, Groove Street, tu connais à l'époque les Ballas là? Ouais, je connais, ça c'est chaud là-bas. C'est chaud là-bas. Là, il y a des mecs juste à gauche, normalement c'est les mecs de McDonald Street. Ok. Il faut un peu les... Hein. Y a des noms qui sont connus un peu ou... Ah, on va leur dire bonjour, on va apprendre à se connaître. Plus jamais. Ah, petit donc, ils sont beaucoup ces jeunes là. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va, je me présente à Ron Pierce, j'ai mon nouveau stagiaire qui est arrivé de Marseille là. Salut les jeunes, ça swing ou quoi? Salut les refs. Ça swing. Ça va, vous amusez bien, il fait beau aujourd'hui, vous allez aller au bowling? Ah, y'a un bowling. Bah oui, y'a un bowling. Faut aller au bowling des fois, ça fait du bien. Trop bien. On va aller au bowling là. Je vise très mal, putain.
Ah, en ordine, moi je suis fort avec les boules en vrai. C'est des délinquants, ils habitent ici, ici, ils font n'importe quoi, ils vont en bande d'armes, bande de trucs. Vous êtes des voleurs, c'est faux. Ah non, vous êtes trompés. Ah, j'en ai vu des menteurs, mais on toi, travaille mon gars. Chantier. On travaille chantier. Ah ouais. Moi tous les jours. La pute tous les jours. Eh ben dis donc, vous êtes des voyous alors, c'est ça? Moi je croyais que vous étiez des. On travaille chantier. On travaille chantier. On travaille chantier. 35 heures ici. Ah, c'est grave. Pareil. 35 heures le soir, je te dis. Toi là, tu t'appelles comment toi là? Je m'appelle Driss et toi? Moi je m'appelle Nordin. Tu fais quoi dans la vie, Driss? Tranquille, non. Oh Driss, arrête d'être si méchant, tu fais ça parce qu'il y a tes collègues, tu veux faire le beau travail, c'est bon. Allez, tout le monde s'est marré, allez, on rigole. Il a dit, je m'en fous, on rigole. Voilà, hop, t'es content, Driss? C'est ça l'image que tu veux renvoyer devant tes collègues? Ouais. Allez, Driss, on peut parler sérieusement maintenant? Ouais. Non, par contre, faut... Oh non. Ouais, et toi? Non, mais moi, je suis électricien. T'es électricien? Ouais. Ah bah c'est bien ça, Driss. T'as quel âge, Driss? Moi? Ouais. 18 ans. M'en fous. Ah, non. Je te soutiens, moi je t'abandonne pas. Merci, parce que là j'ai failli flop là. Hein. Ouais. J'étais pas loin du flop, j'ai eu peur là. Ah là. Et vous appelez comment, monsieur? Oh là. Moi c'est Aaron Pierre. Ok. Heureusement que c'est pas Aaron Pierce. Oh les suceurs, j'ai juré c'était pas drôle, ils rigolent juste parce que c'est leur pote. C'est pas drôle, capitaine, j'ai juré c'était pas drôle. Merci beaucoup, merci. C'était vraiment pas drôle, j'avais mieux à faire. Vous êtes capitaine? Ouais, je suis capitaine là. Ah, ça va bien. Bon, bah voilà, bah, écoutez, jeunes, on venait se présenter, bah ça paye bien, 6 000 $ par semaine. Hein. Ah ouais, 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 ça va se mettre là-bas. Ça recrute ou pas, monsieur? Non, mais Nono, tu peux rien. Je t'ai sais, merci Zoulou, je viens de voir. Merci mon frère, désolé, je suis trop dans le jeu. Merci mon frère. Tout ça, tu connais des gens de couleur, c'est ça? Parce que vous êtes pas comme nous, c'est tout, vous êtes différents, mesdames, messieurs. Comment ça? Mais vous nous connaissez même pas, je suis là pour foncer. Ah, je suis foncé également. Bon, messieurs, écoutez, on a des choses à faire. On a pas la même maison. Ouais, c'est qu'on est occupé, nous. On est occupé, d'accord, on a pas fait parler avec vous, messieurs. Ah bah, ça se voit. Ouais, allez, circulez, messieurs. Attendez, juste Driss. Ouais. Tu sais quoi? Ouais. Quoi, coupé? Allez, on y va, capitaine, on y va. Oula, j'ai dit ouais. En plus, il a dit ouais. Oh, le flop. Ah là, putain, Nono, oh. C'est des méchants brigands, oh. Oh, j'ai flop deux fois d'affilée, capitaine. Ah, ça devient dur. J'ai vu ça. Mais en fait, c'est mieux les couverts quand il dit pas quoi, vu que s'y attend pas, du coup. Yeah, c'est vrai. C'est démodé de le dire après un quoi, faut le dire après un oui ou. Hein ou. Quoi couvert? Quoi couvert? Ah, c'est marrant ça. J'ai vu ça sur TikTok, ça me fait rigoler. Ouais, c'est marrant. Bon, là, actuellement, il y a un jugement, il y a un gros. Ah, bah. Wesh. Vous avez du coup les appels police? Ah, c'est un appel police, je me disais. Décrocher. Je décroche ou je raccroche? Bah, c'est quoi ça? Bah, ah, bah, ça a raccroché tout ça. Ah, vous décrochez quand ça appelle? Ah, d'accord, ok. Bon, bah, ça a raccroché. Prends dessus, poncière. Vous avez des appels? Ouais. J'ai reçu un appel là. Allez, on y va, hop. Allez, c'est parti, on va aller sauver des gens. Bon, du coup, voilà, pour vous dire, plusieurs grandes villes, il y en a plutôt pas mal en vrai de vrai. Ça bouge, là, il y a un mandat d'arrêt sur Jimmy Bishop. Il a tiré sur des flics, bon. Donc là, ça faut être prêt à tirer ce soir, mon petit ah ouais. Nordin. Hein. Ah ouais, carrément, on va tirer ah là. Ah oui. Ah bah, pas tout de suite maintenant, mais bon, ce soir, ça risque de tirer, oui. Ah ok, ah ouais, carrément, on va tuer des gens et tout. Ah nous, on abat, on neutralise, hein, on n'est pas des tueurs, malheureusement, on fait notre taf, quoi. Ok, je vois, ok. Beaucoup de ventes de stupéfiants aussi, hein, au niveau de Vinewood, hein, juste en haut, près de la banque, là. Ça vend depuis tout à l'heure, ça vend en football, hein. Coke, weed, meth, hein, ça bombarde. Donc on les arrête, on tente de savoir pourquoi ils vendent. On essaie de les raisonner aussi un peu comme on peut. On essaye, si bah on y arrive, hein, sinon après... Bah moi je suis plutôt bon dans ce domaine, moi j'arrive bien à transformer les méchants en gentils. Ah ouais? Je sais pas si vous regardez Naruto. Non? Je suis pas très film, hein. Ah mais c'est un manga en fait, c'est Naruto, il... Juste avec des mots, il arrive à transformer des personnes méchantes en gentilles. Ah voilà, on va le voir, vous l'avez vu? Ah ouais. Bonsoir monsieur. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a, c'est l'agent. Oula. Viens de vous voir, jeune homme, là. Non, c'est faux. Ah bah attends, allez hop, on descend, des chez vous. J'ai rien fait. Bah descendez si vous avez rien fait, monsieur, tout dire. Écoute-moi, je sais ce que tu vas faire. Ne fais pas ça, il y a mieux à faire dans la vie. Moi, je te conseille de descendre et de ne pas prendre de risques, bêtement. T'aimerais bien que ta maman, elle te revoie demain? Malheureusement, c'est impossible que je descende. Pourquoi? Malheureusement, vous m'avez vu, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Tu t'appelles comment? J'ai pas de nom, monsieur. Mais pourquoi on dirait que tu vas te suicider? Je te parle comme ça. Eh, hey, juste descends, c'est rien, c'est bon. Oh, ça arrive de faire non. Des bêtises dans la et vie. Et pète ta vitre aussi, pète ta vitre. Pas trop mal. Ouais, c'est bon. Monsieur, ça va pas être possible.
Tout est possible. Vous avez vu, il a vendu un pochon, il pense qu'il va aller en prison. Tout est possible dans la vie. Un pochon, c'est quoi? Même moi, j'en ai vendu il y a des années, c'est pas grave. C'est. Quoi? Des pochons de quoi d'abord? Quoi? Des pochons de quoi vous parlez vous? De quoi moi, tu parles toi? Mais. Des pochons. Des pochons de quoi vous parlez vous? Mais on... c'est toi. Mais on parle de quoi là? On parle de rien là. Bah pourquoi on est. Y a de l'ambiance bizarre là d'un coup là. Bah. Peut-être que vous devez circuler, je pense, non? Non, non, on revient là où on en était. Descends de cette voiture et je te promets que ça va bien se passer. Regarde ma tête, ça se voit que je suis gentil, non? Ça se voit que je vais pas te faire du mal à personne. Et va. Tu me le promets? On te promet rien, on peut pas te promettre, mais ce qui est sûr, c'est que ça va mieux se passer que si t'accélères là tout de suite. Écoutez, monsieur, c'est qui là à votre droite? À votre gauche? Moi? Ouais. C'est le tout nouveau arrivant, Nordine Bourras, il vient de Marseille, buté de Marseille. Exactement, on m'appelle le super policier. Écoutez, monsieur. Pas vous mentir que là, à l'heure actuelle, je suis pas en position de descendre de la voiture. T'es en position de descendre, je te promets que t'es... Je peux pas. Explique-moi pourquoi. Malheureusement, vous m'avez vu, c'est trop tard. Mais on dirait que t'as égorgé quelqu'un, t'as juste vendu un pochon, c'est... Ça arrive, peut-être t'as une enfance difficile, je sais pas, mais on va étudier tout ça, on va voir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, peut-être que t'es sous l'influence d'un grand bandit, je sais pas. Écoutez, moi, je parle pas aux cops, je taffe pas avec les cops. Ça veut dire si vous voulez un truc, vous me le dites. Là, vous voulez quoi là? Que je descende? Exactement. Bah, je sortirai pas du véhicule, c'est bon? Ça se trouve, il a le coffre rempli, hein, Nono, hein, mon ouais, ami. Ouais, j'ai vendu la drogue, tu m'as vu, c'est bon. Bon, allez, accélère, on va te rattraper. Allez, hop, hop, allez, okay, roule. Parle beaucoup celui-là. Hein. Ouais, il parle beaucoup. Ah ouais, il parle beaucoup pour rien dire. Mon ami, il a le coffre rempli, si vous voulez mon avis. Non, mon avis. Il serait déjà arrêté. J'ai galéré à le raisonner, vous savez. Je l'ai démasqué. Je lui ai sorti toutes mes meilleures punchlines, j'ai pas réussi à le raisonner, il était ouais. Coriace celui-là. Comment ça Lloyd? T'as été kidnappé apparemment toi, grand gangster, on t'a kidnappé? Parle à moi. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Maintenant il fait A. Bah écoutez, j'aimerais vous voir là, je vais être un mec qui va pouvoir vivre chez vous là, habiter, chercher un appartement. Wesh! C'est qui ça? Dans 3 minutes? Bah ça roule. Pourquoi ça décroche ça? Je vous cale dans mon planning. Le chat, vous aimez bien ou quoi pour l'instant? Allez. Passez une bonne soirée? Et c'est pas Grolure celui-là ou c'est moi, un petit Nordine? Il me fait de la peine limite. Il me ah fait ouais, de la peine, j'ai limite envie de lui demander de me laisser conduire et. Tu veux qu'on le lâche? Bah. On lui demande son prénom pour savoir, on fait ça au prénom. Comment ça, on fait son prénom? Bah si. S'il s'appelle Zizitoun quoi, on lâche pas, mais s'il s'appelle Patrick, on laisse passer, ça. Jeune homme, vous appelez comment, jeune homme? Je t'appelle comment? C'est important. Écoutez, monsieur, moi... Oui. J'ai pas de nom, moi. Allez. Ouais. Un faux prénom, même, si tu veux, allez. Approximativement. C'est pas grave. Allez, oh. Attendez, monsieur. Ah là, ça fait un moment qu'on attend. Ah, il prend pour un con, tu vois, lui pour l'enculer, lui. Ah, lui. Lui, on va lui. Allez, hop, c'est parti, on va lui mettre dans les fesses, lui. Il pense que je vais pas conduire, alors malheureusement. Je sais pas si y'a quelqu'un qui arrive. Oh, vous écoutez. Ouais, c'est à vous de nous écouter, on vous parle depuis tout à l'heure. Non, écoutez, monsieur. Vous avez vu, moi je suis un honnête civil. T'es quoi? Je vais faire un truc, mais. Un honnête civil. Un honnête civil, ok. C'est ça. Faut articuler. Ça veut dire que là, venons, on s'arrange. Vous voulez quoi? Ah, on est flics, nous on veut vous arrêter si vous avez vendu de la drogue quoi devant nous. Mais je vends pas de drogue. Ah bon? Vous vendez quoi alors? Des biscuits. D'accord. Moi je te demande juste ton prénom. Bon allez, ça y est, lui il est en train de me taper sur le. Oh! Il me tape sur un haricot celui-là. Connard, arrête-toi là. Ça y est, j'étais gentil avec toi, tu me poussais à crier comme ça là. Ça suffit là. Au bout d'un moment, non, c'est pas une pute, d'accord? Tu m'entends ou pas? Capitaine, il est en train de partir. Il leur rend de me tendre, lui on fait quoi? On lui fait un film de cul ou pas? Ah lui, on lui met la matraque dans le cul, lui comme non, comme personne. Mais on lui met la matraque dans les fesses. Il de faire les procédures avec lui là, lui aussi quoi, on sort sa voiture, on tabasse. Je vais dire comme l'autre mais faut pas. Voilà, je vais dire une dinguerie là. Oh là là. Comment il s'appelait vu que c'était pris une matraque dans les fesses déjà, il y a des années? Saoul.
Tu parles à où là, chat? En même temps, putain, y a plein de délits là. Ah, c'est quoi cette ville? Mais c'est pire que Marseille, yo. Y a... Mais il est. Pour des biscuits, tout ça, mais. Arrêtez-vous, jeune homme! Arrête-toi, c'est que des lus, oh! Théo, ouais, c'était ça, c'était Théo. J'en ai marre. Toi, Lloyd. Mais même moi, j'en ai marre là, ça y est, arrête-toi là. Ouais, il se passe quoi du coup là? On fait comment? On fait comment du coup? Bon, écoute, oh, c'est simple, soit tu t'arrêtes maintenant, soit je parle à ton Woody, tu vas prendre cher, c'est bon? Ah, tu le connais? Ouais, je le connais, ouais. Ah, mais ouais, c'est toi! C'est moi-même, donc descends ta voiture, dépêche-toi. Tu me mets bien? On va te mettre très bien, ouais. Quoi? Arrête-toi. J'ai pas bien compris la discussion, mais tant qu'il s'arrête, c'est cool. Vas-y, Dordine, montre-lui que quand tu lui parles, il s'arrête pas. Regarde, mon pote, maintenant t'as vu depuis tout à l'heure. Je te dis arrête-toi, tu veux pas t'arrêter. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Depuis tout à l'heure, je te dis arrête-toi bien gentiment. Je te sors des citations. Même moi, je sais pas ce que je raconte. Tu m'écoutes pas? Au bout d'un moment, non, il veut bien être gentil, mais non, c'est pas une pute, d'accord? Donc quand je te dis la prochaine fois, tu t'arrêtes. Ok, je m'arrêterai. Dis pardon, non, maintenant. Je m'excuse, Nono. Non, pardon, Nono. Pardon, Nono. C'est bon, c'est carré, capitaine. Parfait. Allez, on veut plus le voir ici, toi. Quoi? Oh, Nono! Bah, il m'a fait un bisou, c'est pas grave, c'est mignon, je trouve ça. C'est un bisou, c'est un chip? Non, c'était. C'est un bisou. Il m'a fait un petit bisou, ah, okay. Quoi, c'est. Ok. Mais c'était un chip, ça te déouf. C'est quoi? Mais. C'est si grave que ça, ce qu'il m'a fait? On chip pas, jeune homme, ça veut dire chip, ça veut dire femme ta gueule, mon petit Nono, ça. Ah, bon, pas ouais, de la script, toi? Non, bah, à Marseille, y'a pas trop ça, hein. C'est. Pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Moi, je l'ai bien pris, personnellement, ça m'a. Je trouve ça affectif, moi. Eh ben voilà. Eh, le karma, allez, force à toi, Toka. Ah non, ça lui fera la bite. Voilà, bon, du coup, j'aime non, trop le capitaine, ouais. L'après, bah, on va aller sur une banque, d'accord? Oui. Je vais te montrer un peu le quartier. Important, c'est important pour toi, là. Première étape, tu découvres des gens, d'accord? Première étape, tu découvres des gens, je découvre un peu la vie de quartier. Et surtout, tu trouves une maison, quoi. Une maison, un appart, un truc, tu vois. C'est super important. Exactement. Et une meuf aussi. Au passage, et, ça serait bien. Il y a que des meufs. Il y a que des meufs ici. Hein. On verra comment ça se passe. Parce que Nono, c'est pas un BDG, Nono. Ah, mais non, putain, tu peux pas baiser avec tout le monde. Ben non, mais Nono, surtout, c'est les meufs qui vont à lui. C'est pas à lui qui va aux meufs. Ça veut dire. Bouge pas, j'ai pris mon quartier. T'as vu les blocs là devant? Ah ouais, mais vous habitez dans la street, vous? Ouais, je suis en plein dedans. Ça rappelle un peu toi, non? Ben. Ouais, pas trop. Ça, c'est vraiment la street là. Ah ouais? Allez, viens. On va voir un peu comment ça. En fait, je croyais qu'il parlait de là-bas, moi. Je viens de capter qu'il parlait de là. Voilà, je viens de capter. On n'est pas peur, hein, ils sont bien. Ça a un nom ici? Ça s'appelle comment? Si, c'est la Mesa. La Mesa? La Mesa, ouais. La Mesa. Y'a des mecs sur les toits, y'a des mecs partout. Enfin. Ah, c'est bien, c'est posé, c'est cool, c'est chill, quoi. J'ai envie de vivre ici, moi aussi. Ah ouais, c'est marrant, c'est mignon, ça change. Ouais, c'est tout kawaii, là, y'a des petits. Ils courent. Ah oui, pourquoi tout le monde part d'ici, là? Y'a des fleuristes, je crois. Bah, c'est bon, après, il faut des braquages et tout, hein, c'est des brigands, mais bon. Mais non, personne n'est un brigand, fond, capitaine. Personne n'est méchant. C'est. Ah bon? Bien sûr, vous comprendrez, une fois que vous aurez parlé avec un brigand, vous comprendrez la raison de pourquoi il est arrivé à faire ça dans sa vie. Et vous comprendrez qu'au fond, ben, c'est un être humain avant vous, comme moi et toi. Et vous, pardon. C'est vrai. On aurait pu finir brigand, hein. On sait pas. On aurait pu, bah on aurait pu, oui, bien sûr, mais bon. J'avoue que je préfère être un flic, quoi. Bien sûr, parce qu'on a eu la chance, mais pas tout le monde a eu cette chance. Merci pour ton job. Merci, Balix. Salut les Jones. Bonjour, c'est mon pote Nono, vous allez bien? Salut. Ça va ou quoi? C'est un capitaine lui aussi? Non, moi je suis une petite merde, moi. Je suis pas. Parce qu'il a les mêmes trucs que toi, là, au niveau du col. Ah, je lui ai filé ma tenue parce que bon, je t'avoue qu'il rentre pas dans. Il rentre pas dans la tenue du vestiaire. Eh non, il a le taser jaune. Bien sûr, j'ai un taser au cas où il faut taser. Je voulais lui présenter parce qu'il vient des cités de Marseille et là il arrive directement à Los Santos, ça lui fait un peu le décalage horaire, tu vois. Ça va les Jones? Ça va, toi, le. Tranquille, ça se passe bien. Ouais, tranquille. Tout va bien dans vos vies, y'a pas de problème, pas de galère. Ouais. Eh ben tant mieux, tu t'appelles comment toi avec la North Face? Moi je m'appelle Baby Gang. Baby Gang, non, ton vrai prénom quand t'es sorti de la foufoune à ta maman, pas ton. Elle m'a appelé Baby Gang. Comment tu parles à Mega Boy? Tranquille. Mais alors c'est comme ça qu'on parle, c'est. Mais comment tu parles là? Mais regarde, il a pas mal pris lui, pourquoi tu prends mal des foufounes des mamans? Mais. Respecte Mega Boy. Bah, ça va, je sais. Oh. T'es gris toi, hein? Je suis énervé là, capitaine, c'est quoi ça? T'es énervé, dis-moi tout. Maintenant, il y a des clowns dans la police, capitaine.
Non, 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 je suis pas un clown, je suis un bon policier. Bien bas la police. Capitaine, je suis pas un clown, pas vrai. C'est un très bon policier, un de nos meilleurs éléments. Je suis un bon policier. Moi, j'agis pas avec mon pistolet, j'agis avec ma bouche. Eh, Maïdji, je vais t'apprendre un petit truc. Et plus t'es bon dans la police, plus tu te fais fumer dans le ghetto. C'est réel, boy. J'ai rien compris. Ça veut dire sois moins bon, Maïdji. C'est qui, Maïdji? C'est toi, Maïdji, mon gars. Faut le fumer là-dessus. Hein. Mais je m'appelle Nono. Il est pas bon et on va quand même fumer, lui. Bon, dans tous les cas. Ouais, dis-moi, Ron. Là, alors, comment ça se fait que c'était pas sécurisé là ce jour? Bah, tu m'as dit mot pour mot, me ramène pas de flics sur position. Tu t'es fait péter par d'autres gangs, c'est pas mon problème. Plein de plan audit, c'est voilà. Non, t'es c'est quand même. Non, c'est même pas ça, il va pas. Capitaine. Non, c'est juste qu'il y avait des cops quand même. Hein. C'est pas de la faute si t'es pas bon, après, bon. Mais non, c'est pas ça, il y avait des cops quand même. Qui c'est qui t'a kidnappé, mon petit Lloyd? Moi, non, ça c'est. T'as vu, ça c'est entre moi et. Ah ouais? Ouais, toi. On a des affaires, toi et moi. Bah, c'est entre toi et moi. Ouais. Et quand j'ai des affaires avec d'autres personnes, c'est entre eux et moi. Mais rien et ton pote derrière, là, avec sa petite doudoune, là. Ouais. Lui, on l'a arrêté avec Nono, bon. Ah, mais c'était toi. C'était lui, ouais, je reconnais sa petite doudoune. Quoi? Il m'a fait un petit bisou, je l'aime bien, celui-là, t'es un non, bon. Non, lui, là, lui. Non, là. Non, non, c'est pas moi. Non, pas toi, pas toi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est fin. Ouais, c'est lui. Ah, tu traînes avec les cops, toi? Tu traînes avec les cops, gros bâtard. Qu'est-ce qu'il m'a fait un petit bisou, quoi, c'est pas grave, pourquoi vous lui faites la honte comme ça? Oh, comment tu parles? Je suis la police, oublie pas! Il est complètement fou, lui! Il est complètement fou, lui! Lui, il est complètement fou, lui! Eh oh! J'ai beau être sympathique au premier abord, je suis méchant, hein! Attention! Ah bon, et du coup, dis-moi tout! Il veut quoi, lui? Bah non, bah dis donc, là, actuellement, il vient d'arriver, donc il cherche un peu un appart, c'est bon, il voulait voir un petit peu comment c'était ici, quoi! Si ça lui plaît ou non, après, je sais pas, vu comment vous êtes, je sais pas si. Tu veux habiter ici? Si, gentil! Ben, moi, j'aimerais bien, mais là, vous me donnez plus envie, là! Vous êtes agressif, vous êtes aigri! Tu peux habiter ici, mais c'est donnant! C'est-à-dire, donnant, je vais devoir donner quoi? J'aime des petits coups de main parfois, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il peut m'arriver des petits soucis sur une arrestation! Des petites galères! Admettons, j'aimerais bien savoir le numéro d'un. D'un mec en ville et il est fiché chez vous. Capitaine, je crois qu'il veut jouer un ripou. Non, je pense pas. Ah bon? On s'entraide entre voisins. On s'entraide entre voisins. Ouais, c'est ça. Secret entre voisins? Ouais, on s'entraide. Ok, bon, ben moi, capitaine, c'est bon pour vous ou? Bah, c'est vous et votre vie, faites que vous voulez, mon petit Nono. Pourquoi pas? En plus, toi, tu m'as l'air sympa. Ah non, c'est toi qui es gris. Non, toi, t'es pas sympathique du tout. Non, moi, je suis gris. Non, il est sympa, t'inquiète. En fait, c'est comme ça, première vue, t'as vu. Ça dépend. Tu t'appelles comment? Double. Ok. Et toi c'est quoi? Moi c'est Nono. Et ton vrai prénom? Ah, Nordin. Si t'es un petit peu intelligent, tu fais le lien rapide. Tu sais, j'ai pas l'habitude de voir des gens. Bah non, parce que tu peux t'appeler Norbert. Regarde ma tête, j'ai une tête à m'appeler Norbert, Gazo. Ouais, t'as une tête à t'appeler Norbert, clairement. J'ai pas une tête à m'appeler Norbert, ça se voit, je vais devoir zazade quand même un peu là. En tout cas, ta coupe elle me rappelle plus Norbert que Nordin, boy. Ouais, c'est ça. Je parle bien de ma coupe. J'ai toujours regardé Dragon Ball Z, je suis fan de Trunks, d'accord? J'ai fait la même coupe que lui. T'es chaud, man. C'est vrai. Ah, c'est genre de mec, lui. Juste, on n'a pas le droit de faire des teintures dans la police, sinon j'aurais déjà les cheveux roses, là. Ah ouais, carrément. Bien sûr. Révolution, tout ça. Ah ouais, c'est genre de mec. Et les dégradés, vous avez le droit ou pas? Bah ouais, sans ma raison. Si, ils ont le droit, bah regarde le capitaine. Le capitaine est bien soigné, regarde. Tant qu'on est beau, contourisé, bien soigné. Ouais. Bien soigné. Yanné, il a un balai dans les fesses, je sais pas c'est qui, mais c'est qui parle comme ça là? Parle comment? Bien soigné. C'est moi qui parle comme ça, bien soigné. Ah, d'accord. J'ai pas de balai dans le cul, boy. T'es. Il y a un problème avec toi. Ah, ok. Tu sais, chacun fait ce qu'il veut en 2023, vous savez. La liberté elle va loin, hein. On peut faire ce qu'on veut avec ses fesses maintenant. 2023 ça part en couille surtout. Par contre j'ai de la moniqueuse dans la bouche donc ouais j'ai un peu de mal à parler tu vois bah. Il est loin. Du coup Norbert. Non Nordin. Ouais mais moi j'ai envie de t'appeler Norbert. Non s'il te plaît c'est trop là, c'est trop là, s'il te plaît Nono. Bon. Nono, t'as visité un peu le quartier? Ben là je vais juste te faire la petite ligne droite là, t'as vu là tout là-bas jusqu'à là-bas, ici, et voilà, c'est tout. On lui fait visiter les gars. Ouais, on le fait visiter un petit peu. Vous me faites visiter? Ah mais vous êtes trop sympathique. Allez. Ah bah c'est ce qu'on t'a dit. Je peux y aller capitaine? Ouais mais je vais t'accompagner quand même. Allez on y va, ouais c'est vrai au cas où ils me la mettent dans les fesses, on sait jamais. En vrai capitaine tu peux nous le laisser. Pour sa sécurité c'est mieux capitaine, venez avec nous si jamais il y a quelques craquettes qui traînent dans. Il va me faire tabasser moi, il va me tabasser wesh. Allez. Pas trop longtemps parce qu'on a du boulot sur le terrain quand même. Ok. Du coup, il s'éteint jusqu'à où le quartier? C'est la fin là déjà? Ouais. Non, c'est celle-là, bien. Il y a 4 grands blocs, hein.
Ah ouais. Tu vois, moi Norbert, je te verrais crécher ici, moi. Ouais, même moi. Ah bon, pourquoi? Il a quoi ce bâtiment en particulier? Bah, il y a un concierge. C'est quoi ça? Au moins, bah, le concierge du quartier, au moins, si t'arrives quoi que ce soit. Ah, en gros, il habite dans ce bâtiment, le concierge. Tu vois, il traîne des fois ici, il reste là. Ok. Mais c'est quoi? Ici, moi, je t'aurais plus vu là, tu vois. Ah ouais? Wouah, mais ça pète sa mère ici, par contre, vraiment. Là, t'as la cuisine. T'as la chambre. T'as une petite garde à vue, tu vois, à défaut d'en avoir une. Mais c'est incroyable! T'as une aussi ici. Mais c'est ouais. Et ça t'échange pas du poste en gros. Mais c'est du luxe tout ça, dis donc. Des petites toilettes. Bon, moi je pisse dans la douche, du coup, ça sert à rien. Ça te change de Marseille, hein, t'as vu ça? Eh ben, Marseille, c'est un 3 mètres carrés. C'est même pas la taille de cette salle là. Et ce qui est bien, c'est que t'as un écran plasma, tu vois, c'est la seule chose qui est bien et la paye 4. Et y'a Netflix, tout ça dedans et tout. Bah c'est cool super. Tout ça. Et bah on verra pour voir avec la journée plus tard, qu'est-ce que t'as pensé? Bah j'aime bien, merci Gazo, c'est sympathique. Normal. Et tu peux monter sur le toit si tu veux. Ah moi c'est pas Gazo, moi il dit c'est Baby Gang. Désolé, j'ai des problèmes de mémoire, je me rappelle pas des prénoms. Moi c'est Baby Gang. Baby là, Gang, ok. Capitaine, je monte le toit ou pas? Tu veux voir le toit, Nono? Ah ça y est, on a rien à foutre du toit, non? Ok, mais si, c'est pour mettre tes si habits. Si tu veux inviter une petite meuf ou voilà, ton linge. Non, je suis pas trop meuf, mais moi. Mais y a rien de compliqué. Tu vois, les escaliers sont là. Ah ouais. Et tu vois le coin. Y'a pas d'ascenseur ici. Ok, bah c'est pas grave, ça me fera les jambes, carré. Eh ben super. Voilà. Eh ben super, Maïdi et Double Bang. Vas-y Norbert. Ah vas-y Norbert. Non, pas Norbert, je t'ai déjà dit pardon, tu peux m'appeler. Vas-y Norbert. Voilà, t'as vu, je t'aimais bien, je t'aime plus, voilà. Eh non, moi je suis ton gars. Bah arrête de m'appeler Norbert, c'est trop lente. Bon allez Lloyd, au plaisir mon gars. Au plaisir boy. Lloyd, il s'appelle Lloyd. Ouais. Mais appelle-moi Debel toi. Et heureusement tu vois. Heureusement il a changé de blaze wesh. Mais alors c'est quoi ce compte son camp là Norbert? Je m'appelle Nordine moi aussi. Non je t'appelle Norbert. C'est toi Lloyd? Non c'est toi Norbert. Ok Lloyd. Ok Norbert, ouais dis-moi boy. C'est que... Il veut leur con, les bonnes doses. Non même pas. Bonsoir les cops. Bonsoir. Il y a du monde, allez direct. Il y a du monde ici. Il y a du monde. Ah oui, ils habitent dans le quartier là. Heureusement ils sont gentils, ils auraient pu nous casser la gueule là. Non mais j'habite ici moi depuis 10 ans. Ah bah ça va, ils vous connaissent alors. Oui. Mais il fait quoi lui? Il fait pipi? Ah non. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Adam, vous regardez pour d'aller au village. Eh bien court, il y a un cambu. Je voulais lâcher un coup couvert, j'ai pas eu le temps. Allez, un braquage. Bon, première soirée, c'est parti. Alors, tu kiffes ou pas? C'est comment? Ben j'aime bien, c'est sympa, les gens ils sont gentils, bon... Y a quelques aigris, mais sinon ça va, dans l'ensemble c'est... Oh, je parle beaucoup là. Y a des pistes de pute partout, de manière. J'irai pas jusque là, mais bien sûr, c'est comme dans tout dans la vie. Exactement. Tu parles comme... Ah, c'est des criminels quoi, après. Hein. Bon, hop. Dans la cam, by nous, t'as ça bombarde de vendeuses, je suppose, en même temps. J'ai envie de lâcher un quoi couper au capitaine, mais... Non, en fait, c'est que si tu trouves, entre guillemets, un quartier où, dans lequel habiter, tu trouves une meuf. Ouais. T'sais, en vrai de vrai, après, ça devient vite intéressant, hein. Ben là, ça va être mes prochains objectifs, de trouver où habiter, avoir... me faire des contacts, pourquoi pas... Trouver pourquoi un duo, que des meufs... un duo. Peut-être, ça peut être un pote. Tu peux être avec quelqu'un, ouais. On est en 2023, ben c'est vrai. Ouais, moi, je viens d'arriver, j'ai pas de pote, pourquoi pas me faire des potes, je vais voir, je vais essayer de trouver des potes drôles, parce que moi, j'aime bien les gens drôles. S'il est nul, le pote, c'est pas mon pote. Mais tu sais que je pense que je vais trouver un bon duo toi. Wow. Aïe. J'avais pas vu. Ben bravo. Je vais trouver un bon duo toi. Ah bon, vous pensez que je mérite un bon duo? Ouais, il y en a un qui arrive à 4 jours là. Ah ok. Je pense qu'il va bien te faire rire. Toi et lui, je pense que ensemble vous allez tout casser. Ah bon, c'est quoi son petit prénom à celui-là là? Il s'appelle Georges Magouille. Georges Magouille. Ouais, c'est 41 ans de service. Ah ben c'est carré, il a 41 ans. De service, ouais. Mais ça veut dire il a quel âge, lui? Il a 50... il a 50 balais, à peu près, hein. C'est un papy, ça va être un papy, mon duo. C'est un papy, oui. Mais on va faire quoi, moi et nous? On va aller pas, Dougou. C'est un policier, ça? Ouais, c'est un policier. C'est qui, lui? Oulolololololo... C'est qui, Georges Magouille? Vous le connaissez? Oulolo... Bah, s'il m'a dit les drôles, je lui fais confiance. C'est avant fond de balle, hein. Une exemplaire rouge, une exemplaire grise, une oracle noire. Ah, ils font plaisir là.
Ah non, 41 ans de service, salut, franchement avec lui vous allez... Je pense que lui déjà il va bien m'apprendre le métier en tout cas, c'est sûr. Ah mais il a rien qu'à il a mal ça. Tu vas t'arrêter avec lui à carré alors. Moi juste envie de rigoler moi. Là en gros en même temps il y a un jugement de 3 brigands là, Joël Santana et 3 autres personnes qui se font juger là. Ah ouais, ok. Donc, c'est un peu calme. Ils se font juger pourquoi? Bah vous connaissez hein, braquage de banque, tentative de meurtre. Ils veulent pas innover un peu, ils veulent pas faire des attentats, je sais pas, des autres trucs. Toujours ouais, les mêmes choses. Attaquer à la bombe ça peut être pas mal, ça peut, je pense, ça peut innover quoi. Bah ça nous change du quotidien quoi, les braquages, les... Ça y est, on souffle nous. Là il y a un grand criminel, vous avez aussi Jean Clope. Jean Clope, mais c'est quoi? C'est un concours de celui qui a le blast le plus nul ou? Je sais pas du tout mais bon. Jean Clope, c'est le guetteur de la cité des cochons. Ah, je dis ah comme si je connaissais, je sais pas c'est qui. Quand vous passez là-bas, s'il y a ha ha ha. Ok ok. Allez, j'ai là mon sarrête, c'est la police, arrêtez-vous là, dépêchez-vous. Ah mais j'avais même pas poursuivi un mec, voilà je viens de capter. Ah je viens de capter. Davis, non ouais, y a pas mal de brigands qui font un peu n'importe quoi. Ah bah c'est sympa tout ça, ça bouge ici dis donc, c'est moins calme que là où j'étais. Bah à Marseille, bah après à Marseille en même temps, bon. Vous êtes beaucoup là-bas. Ouais, c'est surcoté, on pense que c'est la street, les voyous, mais en fait c'est calme. C'est vrai. Ouais, il le fait dans l'embourrique celui-là, là. Oh j'ai l'homme, arrêtez-vous là. Ah ouais, c'est Snowware, tu sais que ton message, il me rend trop content, voilà. Je suis content si vous aimez autre chose que du beurre téléchat. Pas les notifications d'appel, hein. Je les accepte à chaque fois, c'est ça? Non, pas obligé. Hein. Ah, okay. Ah ben voilà, bravo, voilà, on aurait pu éviter tout ça, mais t'es con. Laisse-moi tranquille, monsieur le commandant. Bonsoir. Vous habitez dans mes tours, monsieur. Ah, c'est un mec de chez... Ah bah, c'est un mec de la MSA, lui. Il était avec nous tout à l'heure, là-bas, là? Je sais pas si t'es là tout à l'heure. Mais oui. Vas-y, tu m'appelles comment? Nono. Mon prénom complet? Attention. Norvin. Ok, t'aurais dit Norbert, je t'aurais mis. Je t'aurais pas dit Norbert. Ok, ok, c'est carré. T'as une coupe à Norvin, pas Norbert. Ok, merci, je t'aime bien, toi tu t'appelles comment? Moi? Ouais. Moi c'est Kewil. Ah ben Kewil, arrête tes bêtises là, qu'est-ce que tu fais là? Tu roules à je sais pas quelle heure. Oh. Je sais pas combien de kilomètres. Bon, ça va, j'ai pas été trop vite là, si. Un peu, non? Oh, de base, ils vont être déçus, Nono. Ouais, désolé, c'est vrai que c'est pas ça le souci le plus important. C'est... Oh! À ton âge, tu veux encore des trucs comme ça, là? C'est mon argent de poche, je suis obligé. Ouais, mais il y a d'autres désolé, façons de faire de l'argent, c'est. Wow! Oh, pardon, j'ai eu peur des chiens, j'ai eu peur. Non. Ah, il est avec nous. Bon, allez, sors du véhicule, le chien sans les stupes, là. Allez, le chien. J'ai peur des chiens. J'espère que tu l'as pas mis dans le zboob, hein. Allez, peur. Le chien, attaque là où il y a du truc. Pas le chien. Allez, viens voir là. Pas le chien. Wesh, prends, regarde-moi. Non. Ah, et vous direz, le chien, il aime pas trop les. Allez, raciste. Basanés. Allez, le chien, attrape-la. Ah, oui. Oui. Se passe quoi là? Allez, qu'est-ce qu'il fait? Mais calme-toi. Ça va, Kewil? Non. Mais il est. C'est un chien premium ou quoi? Comment il est? Ah, il est fort, il est bouillant. Non, pas le chien, pas le chien. Bon, allez, lève tes mains, dépêche-toi. Est-ce qu'il a sur lui celui-là? Oulala, pochon, téléphone bic, t'es bien toi? Hein? Allez, s'il vous plaît, monsieur. Allez, je te prends ça. Plus de voir ici, dépêche-toi, porte-toi d'ici. C'est bon, le chien, ta gueule, c'est bon. Au revoir, monsieur. Allez, attends, laisse-moi dire un petit truc avant que tu pars. Oui. Tu t'appelles comment déjà? Kewil. Kewil, dans la vie, il y a plein de façons pour faire de l'argent. Est-ce que tu penses que ta mère serait fière de ce que tu fais? J'ai perdu ma mère. Ben, je pense pas. De là où elle est, tu penses qu'elle serait fière? Je pense pas qu'elle serait fière, mais alors, j'ai Kewil, pas trop le choix. Ce soir, avant de dormir, rappelle-toi de ce que je vais dire là tout de suite, d'accord? Y'a pas de soucis. Et tu sais ce que je vais te dire? Dis-moi. Moi. Pardon, Kewil, j'étais trop tenté. Et tu sais quoi, Kewil? Dis-moi. Quoi que bêche, allons y va, Captain. Putain, j'ai flop. Roulez, j'ai flop. Roulez. C'est flop. Ah, mais putain, t'es... Ah, putain. Mais vous voulez pas dire quoi? Mais c'est pas possible ou quoi? Vous voulez pas dire quoi? Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, quand tu cherches le quoi, il veut pas le dire quand tu dis ben le oui. Quoi. Ben oui, en plus, j'ai tout fait pour qu'il dise quoi.
En plus, j'ai mis écoute en avance sans faire esprit, j'ai paniqué. Oh là là, voilà. Là là. Heureusement qu'il y a que vous qui voyez mes flops. C'est chaud. Ouais, c'est clair. Ça reste entre nous, hein. Il est avec 20 pochons, ça va. Ah, on a connu pire. Et je suis trop le mec qui connaît, voilà. Oh, voilà, pris, hein. Après, ouais. C'est après Berthe et Chat, bon, ce qui me là, du coup, le jument vient se terminer en moins de 5 minutes. Ok. Donc, normalement, maybe, c'est la guerre, quoi. Oh, wow. J'ai cru qu'on allait mourir, là. Non, mais non, vous connaissez. Le gouvernement, il est situé juste là, je vais vous montrer. Il a changé de place. Hey, je vais faire des quoi couverts en vide, c'est mon nouveau, voilà. Ça, j'ai trouvé ma ligne directrice. Ah, faire une compile, un TikTok. Compilation des. Bah, ça me dérange pas, comme vous voulez, c'est vous, capitaine. Ouais, vous avez besoin de lui, hein. D'ailleurs, dans le rue du juge, je parlais pendant une demi-heure. Je sais pas si... Il parle beaucoup, lui. Le juge. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Il y en a des choses à dire. Ah, bah oui, c'est la juge, là. Ah, c'est une madame. Bon. Ouais, c'est une dame, c'est une dame. À gauche, vous avez le burger shot si vous voulez manger. Ok. Voilà. Près de la plage, il y a aussi des quartiers. Là, il y a un tacos halal. Ah ouais, carrément, halal. Bon, moi, ça fait des années que je mange plus halal, de toute façon, ça me dit. Je vais faire l'arabe qui s'est désarabisé. Bon, alors, bonjour, le tacos, il est ouvert, les jeunes, là. Salut, les jeunes. Ouais, ouais, les gars, on vous sert. Ouais, ouais, c'est... Bonsoir, messieurs. C'est bien halal, votre tacos. Bien sûr que c'est oui, halal. C'est halal, oui. Bienvenue. Tu veux un truc, Nono? Pourquoi pas, hein. Si vous voulez, ouais, on vous lance un petit tacos. Allez, on s'en prend un petit, après on repart en service. Allez, c'est parti. Allez-y. Ah, d'accord, mais c'est... Pourquoi je m'entends un retour un peu? On va prendre les services. Vous appelez quoi, comment, vous, les jeunes? Tu manges chez toi, Loulou, hein? Comment? Tu me montres ce que tu manges chez toi, là? Ben, moi, je vais vous montrer. Attendez, je vais voir la carte, si c'est pas un tacos de merde, déjà. Bien sûr, notre tacos, écoutez, monsieur. C'est le meilleur tacos de la ville. Oh, j'aime bien quand tu me parles comme ça, continue de me le vendre. Voilà. Ici, les gars, on connaît l'origine de nos viandes, pas comme le Burger Shot. C'est-à-dire l'origine. Ici, eh ben, je vais pas vous faire un dessin, mais Burger Shot... Si, fais-moi un dessin, t'as parlé, tu me fais un dessin maintenant de l'origine de la viande, allez. Écoutez, nos clients, ils sont sincères, ils nous disent tout. Et dès qu'ils viennent ici, ils reviennent plus au Burger Shot après. Et on se demande pourquoi. Et on leur a demandé pourquoi. Ils nous ont dit qu'ils ont eu la chiasse pendant 3 jours après. Mais tu vends ton truc ou tu le descends? J'ai pas compris. Ils ont eu la chasse après avoir... Ah, j'ai cru que tu parlais de manger ici. J'ai eu peur, je me suis dit... Voilà, les gens qui viennent ici, ils reviennent tous les jours. D'accord, ah, ok, bah vas-y. Vas-y, mets ton tablier. Serre-moi ta spécialité, mets-moi ce que tu fais de mieux. Eh bien, tout la viande, du coup, parle-nous un peu de la carte, le jeune homme. Là. Attendez, moi, c'est vrai que tu m'as dit que tu vas prendre sur un dessin, mais moi, je veux bien un dessin, je rigole pas. Bien sûr, je vous fais la carte. Alors, bien sûr, alors... En tacos, nous avons du coup les tacos, une viande, deux viandes, trois viandes, vous pouvez mettre toutes les viandes. On a de la viande hachée, du... Amadou, dis-lui tout ce qu'il y a. Vous avez de l'agneau qui est halal certifié du bosquet de Los Santos, par l'imam Cheb Goulmi. Par qui? Du bosquet par l'imam Cheb Goulmi, oui. Ok, capitaine, on mange pas ici, on s'en va. On mange pas ici, je le connais, c'est même capitaine. On mange pas ici, capitaine, on y va. Regardez, tous vos collègues viennent manger là, ils sont jamais malades là. Dès que partez, c'est Burger King, ils finissent en intoxication. J'ai une question. C'est un turc, monsieur. Oui, est-ce que vous avez beaucoup de clients ici ou vous flopez un peu, comme on dit? C'est ce que j'allais dire, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Là, il y a que nous là dans la salle, ça me rassure pas tout ça. Ah, les soirs, les gens, ils ont mangé, monsieur. Il y a que les travailleurs qui viennent manger les soirs. Ok, bon, je vous fais confiance. Faites-moi ce qu'il y a de mieux, alors. Ah, vous allez vous régaler, là. Fais-lui un menu. Et vous serez ouvert pendant le ramadan, là, pendant tout le mois, là? Comment? Ils seront ouverts pendant le ramadan? Inch'Allah. C'est-à-dire, Inch'Allah, tu vas te convertir d'ici là, ou... Faut savoir, si tu... Ah oui, monsieur, si vous... Ça dépend si vous êtes musulman. Hein. Je sais pas encore. Oui, parce que quand on a dit salade, vous étiez réticent, mais il faut goûter, quoi. Il faut goûter la qualité. Ah, ben c'est parti. Vas-y, ben fais-moi ton meilleur truc. Et pas du poulet, s'il te plaît. Toi, je te vois venir. Ah, moi, c'est beaucoup poulet, mais... Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne même pas. Il y a l'agneau, il y a les veaux, il y a les bœufs, il y a de tout, monsieur. Allez, il vient d'où, mais c'est du bœuf de quoi? C'est le bœuf de Kobe. Quoi, Kobe? Des beaux Kobe, oui. Mais là, il vous a fait un quoi Kobe, je crois.
Non, c'est pas celui du Burger King des Japonais, non, là. C'est, pas c'est, le de Kobe, c'est la qualité, c'est le quoi. De Bokobe. De Bokobe. Ah, j'ai cru, il avait dit quoi, Kobe ? J'ai eu peur. Non, c'est sa région, c'est... là-bas, au pays. Ah, voilà, d'accord. C'est là-bas au Congo. En là. Tout cas, belle tenue, beau gant, vous êtes propre en tout cas, ça fait plaisir ça. C'est vrai, ça se voit que c'est vous n'avez pas de la souillure dans les doigts, ça se voit que. Ça se voit que vous êtes des personnes propres quoi. On n'est pas comme Burger King là, nous on fait très attention à l'hygiène là, c'est vraiment très important. Je suis pas raciste, mais pourquoi c'est un noir qui nous sert dans un restaurant arabe là ? Parce qu'en fait. Ah, parce que j'ai vécu au Mexique, monsieur. J'ai vécu au Mexique. Un noir qui a fermé dans la parce qu'avec le Mexique. Oui, j'ai vécu au Mexique, je suis retourné au Congo là, j'étais chez le frère Philippe là, monsieur. Nous sommes comme frères là. J'ai vécu un certain temps au Mexique et je suis reparti au Congo et je suis revenu là. Et le patron, c'est un turc, c'est pour ça. C'est lui qui choisit les viandes et tout ça. T'es qui toi ? Présente-toi, t'es fou quoi ? Moi, c'est moi, Felipe, il vient de Mexico. Lui, c'est Amadou, tu vois. Lui, il a vécu plusieurs années avec moi. Mais on dirait une mauvaise blague. Il y a un noir, un mexicain, un arabe. C'est quoi ça ? Je comprends pas. Nous avons même un ami chez moi, messieurs. Bonsoir, madame, vous allez bien ? Bonsoir, madame. Bienvenue. Oui, vous mangez devant ici, madame ? C'est là, on a un peu réticent. Madame, partez. Vraiment, ça se voit que ça pue la merde. Désolé. Désolé, monsieur. Avec tout le respect, ça se voit que. Ah, regardez, monsieur, nous avons jamais eu l'hygiène, nous a fermé les magasins, là. Tous les jours. Mais là, ça se voit, vous gagnez du temps. Depuis tout à l'heure, je vous demande de me servir quelque chose. Non, on y va, j'ai peur. On y va, on y va. Vous m'avez pas dit le nombre, j'ai peur. Monsieur. Allez, on y va, madame, allez-y, vous aussi, n'y allez pas. Monsieur Christy, allô ? Allez, à la prochaine, mon pote. Bon, on a même pas mangé. Vas-y, fonce. Allez, on a une mission ? Apparemment ça y a trafic à grande échelle. À grande échelle, carrément. C'est passé de trafic à grande échelle, ok. Vas-y, on va arriver. Ouais. Capitaine, j'ai une question. Et moi mon fils. Vous êtes raciste ou pas un peu ? Non, pourquoi vous dites ça ? Non, c'est comme ça, on apprend à se connaître quoi, c'est. Je vous parlerai pas si je serais raciste. Bah, c'est vrai. J'aurais pu. Ouais, excusez-moi, un taco salal, voir un noir qui fait un taco salal, ça me fait bon. Ouais, non, c'était juste pour savoir, j'aurais pu vous demander ce qu'est votre couleur préférée, c'est une question parmi tant d'autres, quoi. Oui, bah voilà, vous avez ma réponse, quoi. Ouais, bah, c'est bon. Carré. Bon, bah super. C'est non, putain mais du coup, vous savez, le trafic de stupéfiants à grande ampleur, là. Et là, ce soir, ils se font la guerre par rapport à Vinewood, là, on était tout à l'heure. Vous savez, putain, on chope des mecs dessus, là. Ah. En gros, les gangs se tapent dessus ce soir pour savoir qui va gérer la zone, quoi. Ah, ok. Ouais, Les jeunes quoi. Coup, ça se kidnappe, ça se braque, ça se tire dessus. Quelle génération ? Ouais, oui. Ça, c'est à cause du rap, ça. Tous les rappeurs là qui ont fait la propagande de la street, de la drogue, de. C'est eux qu'il faudrait mettre en prison, c'est pas les jeunes. Hein. Les jeunes, c'est juste des influencés. Par des influenceurs. Bon. C'est pas ce que je dis. Des anciens influencés, mais bon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Peut-être il est muet, faut voir. Il était masqué, non, il était masqué lui. Ah peut-être il a mal au crâne. Tu peux pas dire ça encore. Bonsoir monsieur. je parle plus vite que je réfléchis en fait. Vous êtes masqué monsieur actuellement. Toi j'enlève. Nous au côté. Peut-être qu'il a le Covid. D'ailleurs j'ai le Covid capitaine. Ah bon ? Ouais mais c'est un petit Covid, il est pas. Il se transmet pas, vous inquiétez pas. Vous avez le Covid monsieur dans la voiture ? Ouais. Bon, on va vous laisser alors. Bonne soirée à vous, monsieur. Merci, au revoir. Au plaisir. Ah, ça arrive, hein, en ce moment, c'est répandu partout le Covid. Hein. Bah oui. Non, c'est un peu finito quand même. Genre là, j'ai le Covid, mais on dirait que je n'ai pas. Un mini Covid, quoi, un Covidos. Exact, un Covid in igno. Oh, c'était dur à dire, mais voilà. D'accord. Oula. Bonsoir. Waouh. Salut. Ah bah les gens. Les gars. Bonsoir messieurs agents. Ah bah pour dire gens, vous devez pas être très jeune hein. Ah si, je suis jeune. T'as vu, tu fais tu sortez d'où comme ça monsieur, c'était dans le garage en bas ou j'ai rêvé ? C'est bien qu'il on sort de derrière, de la route de derrière monsieur. Comment ça, il y a des poteaux en plein milieu là de sécurité, vous sortez du garage. Oui, on sort du garage oui. Bon, mademoiselle là. Oui monsieur l'agent. C'est où comme ça là ? Bah nulle part, apparemment il y a une petite soirée chez mon ami, enfin ami clin d'œil quoi. Hein, du coup, c'est pas son ami capitaine. Et vous êtes au courant de ce qui se passe à Nouvelle Bollywood, apparemment ça attire depuis tout à l'heure là. Hein ? Ah ouais ? Justement pas, on vient d'arriver nous, t'es même pas sur le vol ici. Incroyable, Zonaris, incroyable. Zonaris, carrément.
Bah, c'est pour ça qu'il y a un hélicoptère là. Bah, si ça tire. Et bien super, aller... et bah bonne soirée les jeunes, attention à vous, d'accord. Attendez, avant qu'on y aille, j'ai une chose à te dire, madame là, tu sais quoi? Ouais. Quoi, coupé? Allez, on y va, capitaine, on y va. On arrive, soldat des codes 2. Mais non, mais faut pas dire, tu sais quoi? Mais ça marche pas comment comme ils ça font à chaque fois pour anticiper, je comprends c'est pas. C'est vous qui êtes con, mais c'est vous qui dites le quoi en fait. Ben non, en fait, si je lui dis tu faut sais quoi, elle va dire quoi normalement? Eh non, alors tu veux tout le monde faire un vrai quoi couper? Vas-y, bah vous savez quoi, ouais, le prochain c'est pour vous. Allez, c'est pour moi, regarde. En 15 secondes, je te fais quoi couper, regarde, hop. Mais c'est terrible là que personne n'ait dit quoi encore. C'est toi qui es nul. Non, normalement, moi j'y arrive toujours, ça passe toujours. Bonsoir messieurs, à la présenter. Oh non. Quoi? Monsieur? Monsieur, il est trop fort! Il est trop fort! Quoi, voilà. On m'avait dit quoi? C'est vous qui êtes con! C'est trop simple! Voilà, il est trop fort! Oh, vous putain, c'est compliqué. Mon héros, voilà. Alors que c'est trop simple! Capitaine, vous êtes mon héros! Mais je vais devenir comme simple. Vous plus tard! Mais, oh putain, vous êtes trop mais fort! Mais vous, vous faites des phrases trop longues, ça sert à rien! Ils sont tombés devant le cul dans cette ville! Vous êtes trop fort! Un con, bro, ça marche partout, ça! Voilà, il en a fait bah, deux, il a réussi les deux! Au garage, il y a vraiment un con au garage! Oh putain, il est trop fort! Oh putain, je vous aime, capitaine! Si j'aurais été une femme, je vous aurais fait des trucs de fou! Allez-y, c'est pour vous! Hé, les jeunes, venez me Tu vois, tu commences à... Je tomberai pas dans le piège. Comment ça flop? Explique-moi. Mais j'en ai marre, ça suffit. Pourquoi t'as pas dit quoi? Attends, ça suffit, laisse-moi lui parler. Pourquoi vous dites pas quoi? Je comprends pas. Vas-y, vas-y, redis-moi. Mais c'est où que j'ai raté? C'est où qu'il y a un problème? Expliquez-moi, apprenez-moi, j'ai envie d'apprendre mes erreurs. Déjà, pour commencer, déjà, comment tu le dis, ça fait remarquer. Mais le capitaine, il a réussi à le faire deux fois, comment il a fait lui? Parce qu'il est fort, j'ai croisé et... T'inquiète, il est fort. Ouais. T'as vu, toi, t'es nul. Connard. Genre, vraiment nul. Genre vraiment nul. C'est pas contre toi, hein. Je veux pas t'affecter ou quoi que ce soit, mais t'es nul. Vraiment, tu vois en bas du sol, il est sous terre. Abandonne. Genre, vraiment. Viens, retente ta chance. Retente ta chance. C'est bon, ok. Viens, non. T'as une cible. Vas-y, lui, vas-y. Oh, il est parti. Mais je suis traumatisé, j'ose même plus essayer maintenant. Et putain, t'es vraiment nul, pourquoi moi j'ai réussi totalement? Mais je sais pas, j'ai fait la même chose que vous. Je comprends pas, j'ai tout fait comme vous, mais. Bah, bon, on arrive, on va. Bah, merci des conseils, les jeunes. Bon, les jeunes. Au plaisir. Enfin, j'avoue, les jeunes, t'as 4 fois mon âge. Allez, salut. Putain, comment tu peux être nul comme ça? Je me sens nul là, j'ai plus confiance en moi. Allez hop. Mais j'ai juré là, Il faut le faire avec de l'envie, t'as pas d'envie quand tu le fais, toi. Vous avez raison, capitaine, j'ai pas envie quand je le fais. Le prochain sera le bon. Tu penses? C'est bon, c'est sûr. Allez. Je crois avoir compris, le problème il venait d'où. Je vais choisir une bonne cible, comme ça au moins tu vas pouvoir... je trouve un mec, je suis sûr qu'il tombe dans le panneau. On était policiers à la base, j'avoue. Voilà, à la base on était policiers. Ça y est, j'ai capté. Et en fait, il faut faire... Putain. Là, ça, là, je l'ai, là. Là, c'est mort, là. Là, je vais réussir, là. Capitaine, là, c'est bon. Là, j'ai tout le scénario en tête, comment ça va se passer. Si je réussis pas, donnez-moi un gage et je le ferai si je réussis pas. Si vous réussissez pas? Ouais. Bon, c'est vraiment que je suis sûr. Coup, là. Je suis sûr. Je suis sûr de moi. Ok, c'est bon. Mais vous êtes vraiment fort, quand même. Le double Kwakubé, vraiment, je m'en retraite. Mais je m'en remettrai pas. J'ai fait d'un coup, en vrai, de vrai, en plus. Ah ouais, mais en plus... C'est le deuxième, il était... On va aller voir les coraux. Les coraux, ça, c'est quoi ça? Alors les coraux, c'est... Prenez un effet grand, on est là-bas. Hein. C'est Jean Clope, toute la clique. Hein. Là, c'est le quartier des... Vous pensez que je peux leur placer un Kwakubé? Ça va pas flop? Parce que c'est un quartier, j'ai peur de flop, moi. On démarre, on se casse, sinon. Il y en a un qui change, là. Ah, peut-être que lui, il va comprendre. Ok. Merde. Allez-y. Eh, hey, mon pote à la compote. C'est parti pour un clip. Ouais, mon rêve, bien quoi. Est-ce que tu sais rien? Hein? Kwakubé. On y va, capitaine. On y va. J'ai flop, on y va. Roulez.
Je me sens mal. Comment il t'a anticipé? Mais comment tu peux être nul comme ça? Mais non, mais c'est trop, lui il a de l'expérience dans les Kwakubers, c'est pas possible, vraiment. Ah bon? Lui il a vu venir de loin, comment il a fait? Je sais pas. Mais vous pouvez essayer, parce que sinon c'est si vous... Par contre, c'est ta voix là, c'est ta voix. J'en ai un autre, lui peut-être. Mais j'ai lui peur, je suis traumatisé, j'ai même plus envie d'en faire, monsieur. Ah bah regardez, attends. Je vous appelais monsieur tellement je suis pas bien. La voiture, la voiture. Elle porte ça. J'ai fait quoi? Quoi couper? On y va, allez, allez, hop, 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 hop. Il a même pas eu besoin de partir. Wow, ça va, Captain? Respirez, hein, mourrez pas, je vous aime bien, vous me faites rire un peu. Mais hé, j'ai... Sale nul, va. Voilà, je suis mort. J'ai même pas besoin de parler, il a dit j'ai fait quoi. Et il est en train de mourir, là, le capitaine. Ah, il était dans le panneau. Ah là là, lui, il est vraiment con, je le connais pas, mais lui, c'est le plus con de la ville, lui, c'est sûr. C'est Bichou. Oh, il bombardait, c'est vrai, avec sa bagnole. Pardon, Bichou, voilà, j'avais pas... Moi, je sais pas, j'ai... Oh. Wow, c'est Pascal. Eh, me dites pas qui, moi, j'ai pas envie de savoir c'est qui les streamers, j'ai envie de rigoler, c'est tout. Voilà, on est à la... le meilleur... Ah oui, la meilleure... Vie, t'en es à 1-0 là déjà. Ben, ouah, il était gratuit lui, j'ai rien fait. Il est juste con, hein, c'est tout. Voilà, on a le meilleur con, travail, lui. Faire des Kwakubers aux gens. Vas-y, fais-lui peur, s'il te plaît, parce que là, il ne veut pas s'arrêter. Hein. Il m'entendra pas de là, non? Bah, il faut crier, tu cries bien, je t'entends. Ah, okay, attendez. Comment on change de... Ah, vous l'avez? Pardon. Je t'en fais comme une merde. Je voulais crier, mais... Ah, j'ai... Ah, voilà, quoi, j'ai flop. Oh, putain. Voilà, je voulais crier, j'ai appuyé sur la touche sauter de la voiture. Bon, bah, au moins, on a plus besoin de le suivre maintenant, c'est... Ah, ben, il est là. Mais quoi, c'est, comment on crie? C'est vraiment, je crois que c'est F3 ou F6, là, vraiment. Et en bas à gauche, tu vois, sur ton petit micro, s'il change ou pas. Ouais, j'ai fait quoi, là? Ah ouais, F3, ok. Ah, ok, merci. Ah, ben, là, c'est mieux, là. Ok, là, c'est bon. Attendez, vous me dites quand il m'atteint. Ouh. Non. Il est perspicace celui-là, hein. Ouais, il est perspicace. Vous l'avez perdu de vue, non? Ah ben non. Bonne nuit ceux qui vont dormir les frères, bonne nuit. Hé, hey, mon pote à la compote, ça y est, tu peux t'arrêter, on va pas te suivre pendant toute la journée non plus. On peut parler un peu ou pas? Oh. Mais c'est pas possible. Parce qu'il a été vexé du Kwakubé, hein. Et je crois vraiment que le Kwakubé lui a fait mal. Il a vraiment fait mal le Kwakubé, je crois. Hé, hey, c'est bon, c'était qu'un Kwakubé, tu peux t'arrêter, t'inquiète, on n'est pas méchants. Hé, hey, oh. Mais... expérimental, là, je parle pas de pour rien, moi. Tu pars dans le rouge ou pas? Oui. Normalement, il va faire l'accident. Inch'Allah. Wesh, c'est pas ce quoi là?
T'as dit quoi? Quoi coupé? Vous aimez bien ou quoi pour l'instant le chat? C'est la première soirée j'étais RP. Bon, je sais pas jusqu'à quelle heure on va jouer, il est quelle heure là? Wesh, il est minuit! Mais le temps il passe trop vite sur GTA! Wesh, il est. Je suis à 2h30 de live là! Voilà que j'ai même pas vu les 2h30 passer là. J'espère que vous kiffez. Je sais pas si vous connaissez déjà les RP ou pas là, avant, mais. Voilà, ça va être ça. Un peu tous les soirs. Bon, pas... je sais pas si je vais jouer tous les soirs, hein, je vous mens pas, parce que sinon ça va trop me perquis des lives, mais. On va essayer de jouer régulièrement, comme ça on tiendra une histoire et tout comme il a dit, on va essayer de se donner des objectifs, en mode trouver, je sais pas, un appart, des potes, une meuf peut-être, je sais pas. Et ça va être stylé, on va rigoler. On va rigoler. Déjà j'aime bien là, déjà j'aime bien comment c'est parti, c'est bon délire et tout, tout. Bon, Walid, voilà, je suis pas bien après ce qu'il m'a fait. Voilà, vraiment, hier est le premier degré. Dans la vraie vie, il m'a blessé, voilà. Genre c'est pas que du RP là ce qu'il m'a fait, c'est dans la vraie vie, j'ai juré, il m'a mis mal. Wesh, attendez, pourquoi ça me connecte pas? Quand il a fait coucou ben, voilà, il m'a détruit, et il m'a anéanti. Wesh, ABCD, ça va ou quoi? Hop là. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a crash. Ouais, n'a cause. Bon, ben voilà, on est là quoi. On est là, hein, j'ai. Je sais pas, on va faire quoi là? Je crois qu'il va nous téléporter peut-être. Je sais pas s'il a capté que j'ai crash. Je vais lui envoyer un DM, attendez. Je vais lui dire au cas où il... Peut-être qu'il a cru que je suis allé dormir ou quoi. Hop. J'ai crash. Voilà. Putain, on était en pleine course-poursuite contre une voiture violée et tout. Je lui avais lâché une bête de quoi, couper. Non, jamais, elle dort pas. Mais je vais pas dormir. J'ai jamais dit... Et le live, il est pas fini, les frères. Il y a encore une partie beurre téléchat après, là. C'est... Quoi qu'en vrai... Oh non, il y a encore une... Je suis ouf, moi, je live tous les deux jours, bien sûr, il y a encore une partie Beurre Téléchat après. Là, on live, on reste sur GTA jusqu'à je sais pas quelle heure, après on ira sur Beurre Téléchat. Fin de live, je vous ai dit, maintenant, c'est... Pas de Beurre Téléchat, non, mais tout à l'heure, pas maintenant. Ah là là! Les mots de tête. Ah là là, j'ai des problèmes, là, hein. Vous avez des problèmes de tête, là? Là, j'ai eu un petit problème, quoi, je... Ah, juste là, mais pas ça, ouais, c'est... ça va. C'est fluide pour vous? Ouais, c'est... Je crois parce que je lui mets un quoi coupé, c'est le destin, il m'a rendu. Ah, il voulait vous dire bonjour, hein. Ah, et vous l'avez attrapé, du coup? Bah oui, je l'ai attrapé, il s'est arrêté pour vous. Ah bon? Et il vous a dit quoi? Il a dit tu passeras le bonjour à l'autre et hop. Ah ok, bah super, alors c'était gentil au fond, ça veut dire c'est cool. Aïe. Aïe. Ça pique, là. Ouais. Non, je vous disais, en vrai, de vrai, bon, bah... Le première soirée pour vous, intégration. Non, en vrai de vrai, l'objectif, dites-vous, pour vraiment être au GOAT ultime de votre kiffance, wow. Trouver un duo, très okay. Bien, un bail de duo pour ça, moi, un petit d'histoire, ça peut être top. Ok. Qu'est-ce qui c'est que ça RS6 lui? Bonsoir, messieurs. Salut, tu veux être mon duo? Ouais, bonsoir. Bonsoir, mettez-vous à droite, c'est pas à côté, les bébés chez vous. On s'en occupe d'ailleurs, vous pouvez y aller. Quand tu contrôles les RS6, sûrement il a pas les papiers. Ah, un immigré. Ok, on y va. Vas-y, pose-toi, comment tu fais? Salut les jeunes, ça va? Bonjour. Bonjour. Ouais, vous pouvez sortir du véhicule, on peut parler comme ça là, en tête à tête, c'est pas plus mal. Oui, dites-le. Vous vous appelez comment? Zach et vous? Zach, ok, moi Nordine et vous madame? Jana, Nordine. Vous faites quoi dans la vie? Ah bon, il y a des Nordines dans la police maintenant? C'est moi qui pose les questions. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis RSA. RSA, et vous sortez d'où cette voiture si vous êtes au RSA? La crypto-monnaie, monsieur. La crypto-monnaie? Oui. Quel genre de crypto-monnaie? C'est quoi comme crypto-monnaie? BC. Voilà. Ok, le nom complet, s'il vous plaît? Cette crypto? Bitcoin. Vous me prenez pour un con ou quoi? Non. Allez, papier du véhicule s'il vous plaît. Toi tu rigoles à cette blague? J'ai bien aimé. J'ai flop, fallait pas rigoler. Papier du véhicule s'il vous plaît. T'as les papiers?
C'est madame qui gère la paperasse, hein. Voyez. Alors, madame. Excusez-moi, monsieur, alors, mon petit sac à main, à tout à l'heure, il y a un petit voyou qui a essayé de me le piquer. Oh non. Comme de par hasard, un petit voyou. Et, un petit voyou. Et il, a, il s'appelait. Il avait une gueule d'être. Eh ouais, voilà, là, je le savais. D'origine voilà. Comme vous. Il avait les cheveux un peu crépus, il était un petit peu bronzé avec une grosse beubarde. Arrache. Mais c'était moi en fait. Ok, et vous faites quoi vous dans la vie, madame? Alors, moi je travaille au Bergerstadt. Ça m'étonne même pas. Ok, bon, ben. Macho. Capitaine, je pense pas que c'est leur véhicule, papier ils les ont pas. Oh capitaine. Attendez, mais attendez, vous voyez mec, il y a un problème là. Grosse RSI et tout, il a pas de papier. Fais du champ, fais du champ. Excusez-moi monsieur. Ouais. Non, je parle à votre collègue. Ah ok. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes? Vous êtes pas présenté? Je suis le capitaine, mais parlez avec lui, c'est avec du contrôle là. C'est à lui qu'il faut. C'est à moi qu'il faut parler. Petit capitaine, du coup vous le formez, c'est ça? Exactement. Le formez là. Oh, oh merci, capitaine, le piment. Brave. Je charme à tous les deux, sinon on est mort. Sinon on est mort. Du coup, Nordine, et je peux savoir? Et tu t'appelles comment toi par hasard? Parce que je t'ai pas demandé. Si, c'était Diana du coup. J'ai oublié, ok. Anna. Diana. J'en ai rien à foutre. Allez, hop, on y va. Non, j'ai flop encore. Ouais, d'ouf. Si, c'est vous enchaînez les flops ce soir. Ah ouais. Mais capitaine, on leur fait la spéciale ou... Faites-la, j'ai peur. Faites-la vous, s'il vous plaît. Non, bah allez-y, c'est non, vous. Non, allez-y, vous, monsieur. Quand même. Non, capitaine, quand même, j'ai pas vous voler la tête. Allez-y, capitaine. Vous êtes sûr de vous, là? Ouais, non, je me sens pas. Non, en vrai, je vous dis, c'est votre moment, là. Vous êtes sûr? Bah, je pense vraiment que c'est votre mort, en fait, si vous pensez capitaine, que vous capitaine, si ça marche pas, je fais un malaise, un vrai malaise, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Ah ouais, là, non, c'est chaud, là. Vous le sentez ou pas? Oula, ça okay, se passe à gauche, là. Si ça marche pas, capitaine, je cours jusqu'à Paris Saint-Germain, je vous le dis tout de suite. Ah bon? Ouais. Faites-le à madame, alors, parce que le monsieur, je pense qu'il connaît. Il connaît un petit peu. Hein. Vous connaissez, vous, madame? Connais quoi? Pas coupé. Voilà, merci TikTok d'avoir inventé ce truc. Ah, c'est le meilleur truc. Voilà, merci TikTok. Oh là là, j'ai trop peur de flop. Voilà, je me cache. 5 minutes, je retourne. Oh putain, je savais pas à quel point ça avait trop la pression. Oh là là, oh, ça met on dirait une roulette russe. Je sais pas si ça va passer ou pas. Oh là là, oh TikTok, ils ont rien inventé de bien dans la vie, mais ce quoi couper. C'est bon, c'est passé, j'ai décompressé, j'ai paniqué, désolé capitaine. J'ai pas flop, mais j'ai quand même couru, parce que... Désolé madame, j'étais obligé. Tâchez de plus jamais nous contrôler, vous. Non, ça se... C'est nous la police, maintenant, présentez de nouveaux papiers. Juste pour cette blague, là. C'est bon, ça arrive, faut être à la page, quoi. C'est les jeunes, de nos jours, ça les fait marrer sur TikTok. La page, elle est tournée, là. La page, elle est tournée, elle est finie, le livre, il est brûlé, cramé. Voilà. Non, c'est les quoi couperts, ça sera jamais finito, ok. Pourquoi? Quoi couper? Allez, accélérez, capitaine, on y va! Accélérez, on y va! Elle est trop conne, elle, voilà! Ah, c'est là! Ça y est, elle est plus conne que l'autre en voiture violée, là! On a trouvé plus conne que le mec en voiture violée, là! Oh, je te jure! Oh putain, elle a. Pendant que tu rigoles, ça rend se taper, les gangsters, ils sont en train de se taper depuis tout à l'heure, là! Oh putain! J'ai histoire Arcadius? Ok, on va racoler vers nous! Oh là là! Oh là. C'est le Twitch du capitaine, c'est Couille, hein, vie, c'est Golden, Nordine, hein. Golden Stream, je crois. Si Foxer il arrive à l'eau, je sais pas s'il a un live. Écrivez Golden Stream. Position s'il vous plaît. Si Foxer, tu peux voir s'il a un live, tu mets le lien. Ou tu mets même le truc là pour follow. Ok, on a un kilomètre. Un Golden TV, ok. Ah mais glisse cette voiture là, non? Ah ouais, c'est ah, ça swing quoi. Allez, RS6, hein, t'as eu, bah encore un. Bah dis donc, c'est la mode les RS6. Ils veulent pas innover un peu? Il est pas en live. Ah ouais, il stream pas tout le temps. Il est déporté vers où actuellement? Ah bah y'a le truc pour le follow là, si vous voulez le follow quand il live. Comme ça, si je live pas, vous voulez suivre quelqu'un. Individu armé, on peut pas t'attirer, hein. Ah ouais, là c'est la vraie truc là, ok. Là y'a plus... pas de quoi couper avec non, là, c'est... ne marchera pas. Direct son marina. Ok, une Buffalo STX noire. Ok, c'est une. Comme nous, mais full noire. Ah ouais, ça veut dire qu'elle va rouler à la même vitesse que nous. Oh, enfin, jamais. Y a beaucoup de monde. Oh là 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 là. Wesh, y'a des bugs là. Préparez-vous, hein. Là je sens mon petit Nordine que ça va être la fin pour vous. Vous avez un gilet pare-balles sur vous? La fin, mais je viens de commencer. Ouais, j'ai un gilet. Ah bah c'était la fin pour lui. Ok, c'est pas. Ça y a. Oh, y a... oh, oh le monde qui apparaît ici. Je sais pas si j'ai un gilet. Oh, je sais pas ce qui se passe par là.
Ah ouais, là c'est. T'es pas connu ? Oh là là ! C'est du vrai grabuge là. Ah mais c'est dingue là ce qu'il y a là. Ok, pour l'instant on reste autour, on va voir près de la plage. Ok, on cherche du coup une buffalo noire. Là en gros ils veulent se taper ce soir, je t'ai dit hein, pour la guerre de Vinewood. Ouais, ça rigole pas hein, c'est... Comme vous avez dit, c'est plus les concoubais là, c'est... Le vrai problème. Okay. J'avoue, RP1 live sur 2 ça peut être bien en vrai. Et votre copain là. Du coup ça fait un live un jour sur 4. Ouais ça c'est bien ça, ça peut être pas mal ça. Un live sur 2, oh, un jour sur 4. Oui. Allo papa. Ouais. Oh putain capitaine, vous avez flop. Non mais non monsieur, oh non mais monsieur l'agent, pourquoi vous faites ça en fait? De quoi? Parce que vous avez... Quoi couper? Quoi couper? Allez bisous. Oh putain capitaine, je me sens mal là. Oh putain. Tout le respect que j'avais envers vous, il vient de se dire... Voilà non. Quoi. Vous aurez dû rester sur les deux masterclass de taille. Allez, c'est pour vous la moto, c'est pour la moto. Hé, hey, le mec à moto là. Oui. Allez, viens voir. Hein? Quoi coupé? Ah, on y va. Ça marche, ça marche, ça passe. On y va, on y va. Ça passe les 1, capitaine. Je vous ai déjà dit. Les 1, c'est comme un quoi. C'est juste, il a pas voulu dire quoi, il a dit 1, c'est tout, c'est ça. Ouais, j'y pourrais plus quoi. Vous connerez, vous perdez les mecs armés là. Non, à Panyaï, c'est gay ça. Alors, quoi, Coubert, voilà, c'est incroyable. Ça a révolutionné le, l'humour ce truc. Limousine et tout là. Eh ah, ben, ça riche hein, ça vit là. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Ah, remonte à la surface déjà avant de nous parler. Je vais faire en sorte que tu dises le mot qui commence par Q et fait, ça fait Wa et après il va te dire Boubert. Quoi? Quoi, Coubert? Ah non. Mais attendez, mais ça y est, c'est quoi? C'est ton. C'est la base ce soir? Capitaine, on va devenir les terreurs de la ville, ils vont tous avoir peur de nos quoi coubets. Allez, à vous, capitaine. Moi, je vais mettre de l'essence. Ah, ok. Vous avez peur, hein? Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir, bien et vous? Oui, super. Mais c'est dans la langue, wesh. Ah! Ils ont augmenté les prix d'essence ici ou quoi? Attendez, capitaine, il est dans la langue. Quoi? Non, attendez, j'ai un cheveu dans la langue, deux secondes. Allez, super coco. Ouais, il veut pas partir. Il boire de l'eau, comme ça, ça va le boire. Bon. Donc là, c'est mission importante. Allez, c'est bon. Merde, c'est bon. J'ai un papier. Ah, c'est bon ou ils sont masqués devant là, sans parking? Ouais, peut-être ils sont de Covid eux aussi. Arrêtez, bon, je vous ai dit d'arrêter de me dire c'est TK, bon, c'est pas TK. Eh, ban nous ordez tous les pseudo streamers là. Sur le tour là, c'est la guerre ou quoi là? Bah non, t'es pas pourquoi. Pourquoi ça bug comme ça moi là? D'accord, d'accord, d'accord. Bon, Nono, je te présente Bouyaboun. Salut Bouyaboun. Comment vous allez les mecs? Entendez, t'es un nouveau? Ouais, je suis un nouveau, je suis là, j'aime bien, je commence, voilà, on découvre la ville un peu. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, et comment t'as fait? Pourquoi t'as choisi le LSPD de l'autre en tôt? Bah je sais pas, la LSP World. Pourquoi pas notre pays? Bah parce que j'aime bien tout ce qui est... Eh, hey, tu poses beaucoup de questions, toi, hein? Bah, des Bouyaboun d'arrêt. Tu es curieux, hein? Ok, ok. Tu t'appelles comment? Moi, t'es Bouyaboun. Bouyaboun? Ah, t'es ta. Pas compris, je parle pas trop ta langue, moi. Bah, on m'appelle Bouyaboun. Ah, ok. Et les autres, vous appelez comment? Moi, t'es Akiyo. Et toi, c'est quoi? C'est Sangoku? Non, moi, t'es Fuka. T'as dit quoi? Tu te moques de nous, là? Tu sais, j'ai dit quoi? T'es fou. Ouais, t'es fou notre gueule. Quoi, coupé? Couper quoi, quoi, ta mère, ouais, tu vas voir. Ah, il a dit que ta mère. Oh, voilà. Ça va, oh putain. Oh là là, je commence à reprendre confiance en moi là, capitaine. Tiens, ouvre ton menu, fais échappe. Ah oui, il me parle français, voilà. Graphisme, tu mets extended, texturette, budget, tu le montes à fond. Wow, vous m'avez parlé la même langue que là, j'ai rien compris. Tu vas dans échappe, graphisme, extended. Texturette budget, c'est pour voir les mappings, sinon tu vas rien voir. Descends dans le menu, vas-y, descends. Graphisme. Dans le graphisme, maintenant tu t'en bats, t'as extended texturette budget. Je suis aveugle ou quoi? J'ai pas compris. Voilà. Il faut tourner avec la roulette. Ah. Ah, ok, ok, je viens de capter ça. Graphisme normal. Ok, ok. Tu cherches extended texturette budget. À fond au moins middle, ouais, au moins à moitié. Ok. Normalement, tu pourras avoir les bâtiments, sinon tu verras. Carré, c'est bon. Bon? C'est carré, merci. Super. Tu vois mieux là, c'est bon la terre? Ouais, là c'est bon. J'avoue, j'avais des petits problèmes de deux yeux là, t'as l'air. Bah oui, je te voyais en train de. Mais tout le monde garçon avec une n'importe comment, tout le monde c'est la fête à la saucisse là.
Ouais, ça vit, le serveur, il y a du monde en vrai. On va couper tout le monde quoi. Il y a du monde en vrai, c'est ça vit ici. C'est animé. Ouais, c'est cool. Oh, belle voiture. Oh. Bonsoir messieurs. Oh putain. Bonsoir monsieur. Oh, vous êtes masqué monsieur à bord de votre véhicule hein. Comment? Oh, vous êtes masqué à bord de votre véhicule. Ah, excusez-moi, pas du tout fait exprès. Bah, enlevez votre masque. De ce pas. Ah, bah. Ah, c'est monsieur de tout à l'heure, ça. Mais c'est vous, mais comment allez-vous? Ah, mais au même moment, on vous voit droit à gauche de nous, il y a des drapeaux arabes, quoi. Putain, c'est vraiment. Vous connaissez? Bah, c'est ma nation, mais c'est moi, t'as oublié, Nono. Ah, mon pote à la compote. Je t'avais oublié, ouais, désolé, j'ai une petite mémoire, hein. Et qui c'est votre meuf à ma côté, là? Quoi? Tu me trompes déjà? Ah, c'est que vous êtes un pointeur ou pas votre meuf? C'est que je dois pointer, c'est tout. Ok, ok. Je vous la présente, elle s'appelle Bulle. Bulle? Pétez-la, ouais. pétez la vitre, on entend mal. La vitre? Attendez. Oui. C'est bon, c'est pas bon? Non, c'est pas bon, la vitre, pétez votre vitre, ouvrez la vitre. Là, t'es sous l'eau en gros, remonte à la surface. Ouais, je fais de mon mieux. Non, mais pète la vitre, pète vraiment la vitre. Mais j'essaye. Ah, je vais te la péter, moi, ta vitre. Comprends pas, celui-là. Pas la vitre de chez vous. Oh putain, elle est pétable! Mais c'est quoi? C'est Rhinoshield sa vitre! Vous savez pas, mais wesh, c'est une voiture Rhinoshield ou quoi? Ouais. Mais j'essaie de t'aider, moi! Pardon, Yazid, faut pas s'énerver comme ça, c'est bon! Ouais, bah, je sais pas, la vitre elle veut pas se baisser. Oh bah, super, et bah, bonne soirée à vous, messieurs, alors, hein! Merci à vous aussi, faites attention à vous! Ah ouais, c'est ça, ouais! Moi, je t'aime, Yazid, m'arrête de me tromper avec cette poufiasse là! D'accord, désolé! Vas-y, ciao! Ciao! Ah bah, attendez, c'est. Bulle, c'est vous la femme de l'autre là? Bah, on s'est au téléphone il y a deux jours, il me semble, non? Non. Ah bon? La femme de qui, monsieur? Par rapport à monsieur Kaiden, non? Ah, mais pas je viens de voir les drapeaux, là, je les avais même pas vu. Oui? Moi, la femme de Kaiden? Bah, je sais pas, je vais vous poser une question, madame. Non, monsieur, je pense que vous êtes trompé de personne. D'accord, super. Bah, bonne soirée, mademoiselle, alors, hein. Bonne soirée. Au plaisir, hein. Merci à vous. Bye bye! Bonjour, je t'aime! Moi aussi! Je crois, ouais, même. Bah, il t'aime bien, lui, ouais. Bah, je crois qu'il m'aime. Mais moi, il croit que je l'aime pas. En même temps, bon. Bah, il me trompe déjà, et je peux pas aimer quelqu'un qui. Mais non, mais attends, mais surtout cette nana, elle tourne avec tout le monde, cette nana. Quoi? C'est une. Elle tourne, elle? Cette nana, mais je l'ai vu avec un mec il y a deux jours. Putain, mais faut le prévenir, le pauvre Yazid, peut-être bah, il est amoureux. Je lui ai dit, mais bon, Oh là là, mais je vais m'en occuper, je vais le raisonner, Yves. Elle s'appelle comment, vous savez? Vous connaissez son prénom? Ghoul. 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 Elle est de quelle origine, celle-là, Ghoul? C'était pas du tout. Hein. Là, ici, c'est compliqué, hein. Il y a un peu tous les originaires. Celle-là, je vais la faire, mais je vais pas appuyer dans le jeu. Pourquoi on n'entend pas dans le jeu? Elle s'appelle Tokyo ou quoi? Tokyo Ghoul. Bon. Voilà, il a pas entendu, parce qu'il y a que vous qui l'a entendu. Je l'assume pas, celle-là. Là, il y a le jugement, il est pas encore fini. Hein. Ah, il y a encore ce truc. Il est encore en train de parler, le juge de tout à l'heure. Il y a trois personnes. Il y a trois jugements en même temps, c'est pour ça. Pauvre juge. Force à lui, vraiment. Pauvre accusé, surtout. Bah, c'est plus le juge qui me fait de la peine, là. Parler depuis tout à l'heure. Je préfère aller en prison pendant des années que... Besoin de renfort en radio? Tu te demandes de la pour m'arriver rapidement avec moi, la dame. Par contre, j'ai pas de radio, lui parle avec des moi je les entends pas, mais... On fait genre... Goal, voilà. Voilà, elle est incroyable, celle-là. Wesh. Ils sont hôpital. Ah, j'ai une radio. Ah ouais, mais faut que je l'allume et tout, mais... Vas-y, pas une faire de bêtises. Ok, on est à 500 mètres. Putain, mais ces voitures elles tombent pas! Je sais pas comment faire, ouais, voilà. Super, attends. Au goulag, cette meuf! Oh putain, vous me faites un stock de blagues pour quand je la recroise. Et quand je vais la recroiser. 56? 10-40, ok. La dame prend le 10-40 de Forum Drive, s'il vous plaît, messieurs, là. On accélère. C'est copie. Parfait. Voilà, je lis des messages. Y'en a, vous êtes pas drôle, mais ils sont drôles, voilà. Nono? Comment? On m'a parlé? Tu veux conduire un peu? Moi, je suis pas trop à l'aise au volant, hein. Je suis... Ah ouais? Comme vous voulez. Non, c'est comme tu veux toi. Non, moi ça me dérange pas d'être à côté, j'aime bien. Je veux pas que tu dises tout le temps je conduis, tout le temps je conduis. Non, au contraire, moi j'aime bien, je préfère cette place. Toujours à droite, là, regarde.
c'est le tribunal. Oh putain. Bon allez, je vais conduire, je crois, c'est mieux. allez, elle marche plus ou? Allez-y. Allez, allez, on va conduire un peu parce que là. Vous pouvez switch dedans. Ouais, mais moi je suis plus traditionnel quoi, je suis. Ah ouais. Je suis à l'ancien. Wow. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu. Salut, ça va comment pote? Oh putain, ça va? Ça va, et tu. Ça va aller? Oui. Hey, tu t'appelles allez. Comment? Miguel. Hey Miguel. Force à vous. Et vous avez fait un de ces trucs de fou furieux. Ouais, tu parles beaucoup Miguel. Quoi? Quoi coupé? Allez, on y va. Wow. Oh. Aïe. Aïe. Oh, j'ai tapé la. Fais demi-tour, fais demi-tour. Voilà, y'a rien qui va. Capitaine, je conduirai plus jamais de ma vie, c'est fini. Sur tout ce que j'ai de plus cher, je conduirai plus. Je ferai plus de quoi couper. Eh bah, bravo. Oh putain, on fume. C'est ça les quoi couper, ça ramène des problèmes. Oh là là. Oh putain de merde. Voilà, je suis mort, y'a rien qui est normal. Y'a rien qui. Rien qui se passe comme prévu. Voilà. On dirait que c'est scénarisé. On dirait que c'est tout scripté. Mais vous savez que c'est une dinguerie, frère. Quoi couper, bam, virage, je me prends la voiture qu'on course. Oh là là. Happening sur happening, quoi. Il aurait pu mettre un quoi couper là, s'il était intelligent, ce capitaine. Et pas intelligent. Ah bah avec vous, c'est tombé. Il aurait fait des histoires de fou. Ah, mais faut c'est. C'est la faut vie. Faut qu'on aille réparer, on passe plus en avec des civils que de tirer sur des brigands. C'est vrai. Qu'on les flics, quoi. C'est vrai qu'on a fait plus de quoi couper que d'arrestation, là. Oh putain. Non, j'aime pas conduire en vrai, moi. Comme ça, ça me permet de parler avec vous et tout. Oh, c'est comme à toi, et au moins vous adaptez un peu à la ville, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Monsieur Airpol est attendu chez lui. Vous savez quoi, capitaine? Mon but ultime, ça va être de vous mettre un quoi couper un jour, donc sachez-le. Ah bon? Ok, maintenant vous savez, essayez de pas tomber dans le piège et je vais quand même vous le placer. Je sais pas si ça sera quand, mais je vais vous le placer. Ok. Bonsoir, mesdemoiselles. Salut les girls! C'est un garçon à côté de moi. Ah, mais on sait plus de nos jours, les filles, les mecs, ils se confondent tous, ils s'habillent tous pareil, ils se font des coupes de cheveux de. Voilà. C'est toi qui parles, un allemand, non? Bah, moi j'ai une barbe, j'ai tout d'un homme. T'as une barbe, t'as même la. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, monte, non, ça tire, non, monte! Allez, allez, on y va, on y va! Ciao, ciao! Y'a des coups de feu, y'a du 31 vite, courez! Ouf! Tiens, 100 mètres de nous, non! On a dit courir, j'ai fait ouf! Ok, mais si on s'y rend, on est à 400 mètres des shoot fire. À droite de nous, hein, c'est maintenant direct là. Oh putain, j'ai peur, capitaine, oh, là c'est un vrai vide là. Oh putain. Vas-y, Nalo, je prends les négociations. Je. Ok, là, on se calme! On se calme, les jeunes! Merde, comment on. Ouais, j'ai mis, tu mettais même les barrières en place, si vous voulez. Prends le danger, voilà. Hé hey. Calmez-vous, calmez-vous, on va trouver un terrain d'entente. C'est un braquage de banque. Oui, allez. Capitaine, c'est un braquage de banque, capitaine. Allez. Je vais siroter mon coca tranquille. Vas-y, négocier les bêches. Capitaine, il va siroter son coca tranquille. Pas peur, n'ayez pas peur, allez parler avec lui, tentez de les calmer là. Ok, messieurs, du coup. Les jeunes, je sais très bien ce que c'est le quartier, je sais très bien ce que c'est la street. Ta mère. Ok, d'accord. Capitaine, il m'a dit d'aller niquer ma mère. Parle avec eux, t'es négociateur. C'est des gangs. Eh oh, moi je suis négociateur, donc maintenant que tu me dis nique ta mère ou nique ton père, c'est pareil, d'accord? Ça me passe au-dessus de la tête. Donc maintenant, tu vas me dire pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu veux? On n'en est pas là, frérot, t'inquiète, on va y arriver. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, capitaine. Pourquoi il parle aléatoirement? C'est bien, il va négocier là, ce stagiaire? Oui, c'est lui. Je suis pas stagiaire, je suis cadet, ok? C'est le rookie, hein. Espèce de non-professionnel. Arrête de m'insulter, déjà. Et t'as dit quoi, toi? En 0-2, tu mets les barrières, dépêche-toi. Tu travailles chez les keufs, tu marches comme ça avec scoliose, y'a un problème, frère. C'était pas drôle, ta flop, là. C'est des mecs qui vendent des pochons. Toi, t'as même pas compris la blague, frère. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas compris. Mais arrêtez de faire des braquages, là, et dites-nous ce qu'il vous faut. Attendez, chef. Vous êtes mignon, en plus. Comment on se met derrière un. Comment on se cache? Genre, comme il fait lui là. Merde, il fait quoi là? Wesh. Ok, deuxième piqué en cours. Je fais quoi là, voilà? Tu te portes en même temps? Comment on se cache derrière une voie? Oh, je crois que c'est comme ça.
Vas-y, là on est bien là. Là on est bien là. Ok, nous on est bien attentivement, d'accord. Là il y a deux banques qui sont en train de faire en même temps. Ok. Deux banques. Ah, les petits filous, ils ont séparé les. Ok. Attends, on sait pas si c'est eux, tu vois. Ah, mais... moi je le sais, moi. Ah bon. T'as peut-être un bon instinct. Ah, je le sens, je connais ce. Ça se fait beaucoup de. Dans le sud, ça. Ah ouais? Ouais, c'est une stratégie pour séparer les scripts de police en deux et réduire les... effectifs. Exactement. Et n'oublie pas de prendre ton téléphone et tu peux te mettre en mode avion, si tu veux. Ah ben ça, c'est super, merci de m'avoir dit. Comment on fait? Mode avion, ça doit être là, non? Mode avion, voilà, il casse la tête, ce téléphone. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Merde, mais je criais depuis tout à l'heure. Attendez, je vais baisser la voix. Hop, comme ça. Voilà, le tel cassé la tête, ça y est, je l'ai enlevé. Il va plus. Capitaine, ils ont signalé leur revendication ou. Pas encore. Oh, okay, je parle comme un vrai policier là. Ah là, je suis un vrai policier là. Y'en a pas. Tu m'ouvres un ticket. T'as raison, zoom-moi sur la tête. Le ticket. Le ticket, les photos, c'est en cours et okay. Je vais mettre de l'autre côté les barrières. Ok, parfait. Tiens, je te donne ça. Le crie pas trop fort, t'en auras peut-être besoin. Le crie pas du tout, bien sûr. Waouh! Wow. Ah bon, j'ai avoir besoin de ça, moi? On sait jamais. Ah ouais, comment on arriverait à là? Il m'a donné un parachute. Comment? On sait pas. Ok, d'accord. Il m'a donné un parachute, wesh, voilà. Il m'a dit, on sait jamais. Wesh. Je dois le mettre là ou ça va être cramé si je le mets, ils vont le voir? Wesh, il m'a donné un parachute, ça va tourner au vinaigre ou quoi? Ils vont nous monter à l'air ou comment on va atterrir dans le ciel? Mets ton gilet, c'est vrai. Mais je l'ai déjà, mon gilet là, il y est. Je crois que ça va partir un avion tout ça, j'ai pas compris. Non, je crois que c'est pas maintenant, je vais le mettre et on va le voir dans mon dos après, faut pas. Là ça va, je sais pas ça va faire quoi mais on va atteindre 3 heures de live. Mais le RP c'est vraiment incroyable, je vois pas le temps passer. C'est pour ça les JL Tommy, les trucs comme ça, ils font des lives de 15 heures facile et tout. Ah, j'abuse là, mais vous avez capté, ça passe trop vite le temps. Je sais pas d'un point de vue viewer c'est comment, mais moi en tant que streamer, j'ai l'impression que ça fait comme 1h30 de live normal là. J'ai caché la vigalo. Tiens, j'ai une épouchée, j'ai pas de mouchoir là. Ah si. Eh, hey, mettez tous présents dans le chat là, parce qu'il est bien calme ce chat là. Oh. C'est ça les chats GTRP? Oh, soyez un chat pas comme les autres là, soyez un chat GTRP actif. Vous êtes fous quoi, j'ai pas de message fantôme là. Pardon. Voilà, j'aurais pu me mute, désolé. Non, tu comptes parler avec eux? Je dois continuer le. Ok. Ah, ils font. Non. Mais il me met à la main depuis tout à l'heure. Écoute. Prends ton téléphone là. Ton téléphone. Oui. Pas. Ouvre et tu vas dans l'application Note. Note, ouvre une note. Ok. Non, capitaine, chef. Ok, capitaine. Dans nouvelle note, tu mets braquage de banque. Ok. Ça raconte. Ok, en bas tu descends et première étape. On arrive dans 15 secondes, monsieur. Merde, j'ai fait. Wesh. Mais. Vous avez changé vos numéros ou quoi? Oui, je le forme. Trouvez les revendications. Attends. Il est déformé, c'est tout ce qu'il est. Attendez, vous pourriez recommencer du début? Vas-y, pense. Ouais, non, c'est bon, je suis à braquage de banque après. Ok, descends en bas dans le téléphone. Ah, en bas. Bas. En bas, là où t'es dans le blanc, et ouvre le téléphone dans Note. Là, je suis là, Note. C'est pas grave, je suis pas grave, tombé. Allez, on a la technologie, c'est pas trop ça. Allez, tu trouves le nombre de tâches, trouve le nombre de ravisseurs, trouve leur plan, vas-y, on y va. Écoutez, ne menez pas la vie dure, s'il vous plaît, je suis pas là pour galérer, vous allez pas nous... Ça suffit. C'est déjà fait. Donc, si on peut coopérer, ça irait plus vite pour tout le monde, d'accord? Je sais que vous avez... Selfie. Vas-y. Tu parles à moi? Oui. Mais, il parle avec qui? Avec vous, il prend une photo avec vous. Ah, ok, bah attends, je prends la pause. Je sais pas, comme ça, je vois que ça me narque sur Twitter, moi je prends des photos avec vous. Passe la pause, voilà. Avec le Kerma voilà. À ma gauche. T'as vu maintenant, écoute, on a coopéré nous, on est sympa, t'as vu? Ben coopère avec nous, pourquoi vous en ferez pas de même? Regarde, j'aurais pu dire je prends pas un selfie avec toi, mais j'ai accepté. T'as vu, j'aurais pu dire non, mais j'ai accepté. Donc maintenant, tu vas accepter de coopérer avec moi. Eh ben vas-y, fais-moi une proposition et je l'accepte. Eh ben là, je veux savoir d'abord qu'est-ce que vous revendiquez, qu'est-ce que vous avez fait et expliquez-moi quoi, moi je comprends pas la situation là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, tu le sais déjà, ça. Bien sûr, je sais, mais qu'est-ce que tu demandes en échange, là? En fait, c'est moi, je demande rien. Ben, parce que là, en fait, vous allez juste finir derrière les barreaux. De l'argent, frérot, ça me met pression sur Twitter.
C'est qui d'ailleurs l'auteur là? C'est qui m'a écrit tout ça? C'est-à-dire, ça te met pression sur Twitter, comment ça? Je sais pas, c'est qui votre supérieur? Vous avez pas un supérieur là? Moi, il y a le capitaine là à ma droite. Ouais, dites-moi, c'est quoi? Demandez-lui c'est qui le zouave de la police qui s'amuse à faire des tweets. Oui, on va t'avoir, Jimmy, je sais pas quoi. Ah, c'est monsieur Bishop! Non. Ah oui. Il a tiré sur tes collègues hier lui. Ah bon? C'est qui mes collègues? Ah, c'est tes collègues de police. Ah, parce que j'ai pas de potes, moi je croyais vous parler de mes potes à part la police. Eh, vous avez tiré sur la police, mais vous êtes fous quoi. Ouais, le prochain c'est vous, KD. Eh, moi je te permets pas de me tirer dessus déjà, et... Ça c'est pas toi qui vas en décider. Et mais pourquoi t'es aigri comme ça? T'es devenu comme ça, comment toi? T'es arrivé quoi dans ta vie pour être aussi méchant? J'ai tué trop de monde. Est-ce que t'as déjà regardé Naruto? Non. On peut rien faire pour lui, capitaine. C'est toi, je crois, on peut rien faire pour toi. Mais c'est toi, là, t'es un cas désespéré, tu crois que c'est moi? Alors là, j'aurais tout vu. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la Sadaka. Pourquoi tu me recopies? Non, allez, approche-toi, là, je comprends pas, j'ai pas répondu à mes questions, là. Mais capitaine, là, il veut pas parler, c'est compliqué de parler avec des gens aigris comme ça, là. Les verres du nez, j'ai l'impression. Je suis pas aigri. T'es aigri. Ah ben vas-y, explique-toi alors. Dis-nous qu'est-ce qu'il te faut, qu'est-ce que tu veux et. Parle. Il me faut des sous pour la cavale, frérot. Moi, je fais des banques. Tu veux quoi? Tu veux que je te donne ma carte d'identité aussi? Mais là, t'es encerclé, là, en fait. Là, tu comprends pas que t'es encerclé. On t'a encerclé, tout le monde est autour c'est de toi. Tu t'es pas encerclé. C'est un cercle, t'es pas allé à l'école ou quoi? T'es encerclé, quoi. Ah ouais. Et donc? Oh, il est pas très bavard, celui-là. Et donc? Et donc tu vas finir derrière les barreaux, c'est tout, tu me prends pour un con. Non, il est bien gentil, mais non, c'est pas une pute à la fin. Ça veut dire, là tu vas commencer, là tu es en train de commencer à m'énerver, là t'as vu un... Voilà, bec, par, voilà, ça y est, je l'ai éteint, capitaine. Vous avez vu comment il est parti? C'est bien, faut être comme ça, tu vois, faut parler comme ça. Ça y est, il m'a monté sur le haricot celui-là. C'est comme ça, maintenant voilà, tu lui dis qu'est-ce que tu veux. En fait, il y a plusieurs types de personnes, il y en a, il faut leur parler gentiment, et ça c'est bien faire, mais il y en a, il faut les... Comment? Il débute, il apprend. C'est ça, garde ton sang-froid, petit enfant. J'ai mon sang-froid, c'est ton pote qui a pas le sang-froid, là. Non, j'étais gentil, moi, au début, je parlais gentiment. On était gentil, à la base, avec vous. Eh, señores, il y a 0-3, là, ici, là. Non, 0-3 n'est pas là. Il est vraiment pas là. Oui, c'est ce gars, comment qui dirige le braquage, là? Mais fais un truc, putain, non, là, j'ai pas envie, moi. Il a pointé à la pointeuse de ce matin. Mais non, faut pas tuer. Il y a trop de pointeurs à la police, là, tout le monde parle de pointer, là. Mais il est en service. Capitaine, je suis pas un pointeur, je vous le dis tout de suite. T'es sûr? Non, il est pas là. C'est bon, non. Pourquoi c'est qui, 0-3? Non, parce que j'aurais aimé parler avec lui au lieu d'avoir un cadet aigri. Très aigri, quand même. Non, tu l'as fait. Alors, non, justement, j'étais en train de. Rattrape-moi, ce qui va se passer, je prends mon téléphone, rassemble tous les mots dans ta bouche et je te prends juste après. C'est bon, non? Vas-y, je vais te prie. Vas-y. Si, dis-moi. Putain, je sais pas ce que je vais lui dire. T'as vu, tu fais passer pour quoi? Mais capitaine, il. Putain, c'est des braqueurs. Ben regardez, tu des gens. Regardez comment je vais lui faire regretter son braquage. Il faut être calme avec eux. Tu vois, tu vas aller en prison. Regardez, capitaine, regardez ce que je vais faire. Il va regretter d'avoir braqué cette banque. Il est culpabilisé, voilà. Exactement, vous avez tout dit. Faut pas être dans la méchanceté. Oh, ils ont des otages, ils peuvent tirer dessus, tu vois. C'est bon, j'ai compris. Avant tout, je me suis adapté à la personne. T'es pas tout seul, pense à eux, hop, derrière. C'est vrai qu'on est beaucoup derrière, c'est vraiment moi là qui est au premier plan. Vas-y, fonce, tu leur fais un briefing de ce qui se passe. Vas-y, fonce, hop. Bon, d'accord. Ok, messieurs briefing, venez écouter Nono là. Va faire le briefing. Putain. Rassemblement. Oh putain de merde, qu'est-ce qu'il me fait faire le capitaine Wall? Ok, les gars. Un braquage de banque, ils sont pas très coopératifs. Je sais pas ce qu'ils veulent en retour, mais leur leader là, j'ai bien compris qu'il était pas dans la négociation. C'est-à-dire, je sais pas comment ça va se passer tout ça, mais soyez prêts. Y a-t-il des otages? Ah, ça c'est une bonne question, ça c'est d'ailleurs la première question que j'aurais dû poser, ça c'est... Bah oui. A priori ils ont un otage. Bon super, allez on y va. Ah bah heureusement que vous savez vous, parce que moi... Mon capitaine, vous voyez le périmètre de sécurité? Non mais on va dire qu'il est okay, là. Ok, c'est pas grave, ouais. Y'en a. Allez y'en super, a. Allez Nono, plan B. Plan B, c'est quoi ça? À l'attaque. Hein? À l'attaque, repart. Ah. Allez hop, on y va. Ok, on m'a dit que vous avez un otage, c'est ça? Il y en a pas qu'un, je te le dis, frérot. Doucement. Oh là là, mais t'es fou ou quoi? Mais arrête quoi. Mais là, il va se passer quoi? Tu vas tirer, tu vas juste tuer ta vie. Tu crois que tu vas tuer lui, mais c'est toi que tu vas tuer en tirant. Il y en a pas qu'un, frérot.
Arrête de me faire le bandit, c'est avec je sais ça que t'as... je vais réussir à m'en sortir. Non, justement, il y a plein d'autres moyens de s'en sortir. Et toi, tu crois que c'est ça le seul moyen? C'est toi qui va décider. Mais là, ce que tu comprends pas, c'est que t'es pas en position de force. Non, si tu continues à ouvrir ton petit cul, je vais lui. T'as vu, je vais commencer à le scalper au. Mais sur la vie. Les gars, aidez-moi. Là, je t'explique. Il y aura qu'un perdant dans l'histoire et ça sera toi. Tu vas le tuer. Ok. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à l'attaque et tu vas finir derrière les barreaux. Il aura perdu la vie et t'auras perdu ta vie d'une certaine manière, mais. Oh, l'otage. Un mot pour le décrire. Un seul. Vas-y, décris-moi l'otage. Décris-le, vas-y. Attends, je te regarde de plus près là. Tiens. Regarde-le bien, regarde-le bien. Un vrai trou du cul. Ah, vas-y, tirez, c'est bon. Non, je rigole. Hé, pour de vrai y a là. Pas hein. Comme moi, y'a pas comment tellement il a mis une bonne réponse, je vais le lâcher. Non, il faut que tu tirer, rigole. Non, il faut que tu filer sus. Non, faut que tu joues avec moi, tu joues avec moi. Je dois le sucer là. Imaginez. Ah oui, y'a l'otage. Le manque de professionnalisme. Mais y'a pas de manque de professionnalisme. C'est juste toi qui prends trop ça à la légère. On dirait que je le prends pas à ça à la. Hé, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire là ou pas? Je crois que t'es dans un rêve, je crois que t'es dans un jeu vidéo. T'es con citoyen, chef. Mais attends, fait, je crois que tu comprends pas. Je m'en bats les couilles là de ce que t'es en train de lui dire. Moi, je vais peut-être perdre ma vie. Moi, toi, t'es là, tu parles tu de ça. Avec ses couilles. Mais toi, t'es avec eux ou quoi? T'es en train de me gronder. Je suis en train d'essayer de te sauver. Tu me cries dessus, t'es fou quoi? Me sauver, tu vas me tuer en parlant. Mais c'est comme ça, ça passe par là la pédagogie. Il faut rentrer dans leur tête. Arrête, qu'est-ce que tu fais toi? Pose ça. Ça passe par là ou pas? La vie de ma mère, c'est bon, pose ton âme. Tranquille. Bon, on va tout. Écoutez, et le jeune, on va tous se calmer, on va tous redescendre, on va tous se calmer. Toi, tu m'as dit que tu t'appelais comment? Jimmy, c'est ça? Moi, c'est Jimmy Bishop. Ok, Jimmy Bishop, je sais pas qu'est-ce qui t'a fait en arriver là, mais sache que tu peux toujours revenir en arrière et que. C'est trop tard, y'a pas de marche arrière. Non, c'est jamais trop tard, y'a pas de marche arrière. Pas, morale à deux balles. À chaque fois que je braque un truc, à chaque fois que je négocie, vous me faites des morales, ça y est. Ok, la morale, ça marche pas, on passe à la sucerie, je crois. T'arrêtes. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant? Dites-nous ce qu'il vous faut, on va vous donner ce qu'il vous faut. Juste relâcher l'otage, c'est tout. Ce qu'on demande, c'est juste les otages, on veut rien de plus, nous. On veut pas vos voitures ou je sais pas quoi, on veut juste les otages. Les otages, et moi, tu me veux pas, genre. Ah, toi, c'est notre histoire. Déjà, on veut savoir ce que vous nous réclamez contre les otages. Mais lui, on va le rentrer, il fait froid, après, on revient en discuter. Non, il a pas froid, t'as froid? J'ai froid, je caille. Tu vois pas ses jambes? Capitaine, il est con quoi cet otage? Regarde ses jambes, regarde ses mains, tu les vois pas? Il tremblote, il a la sur la vue de ma mère, je pense qu'à l'intérieur, il y a moins de trous du cul en face de moi là. Puis en plus, il faut un petit jeu là. Inch'Allah, il se fait tuer l'otage. J'étais un animateur, on a fait une vidéo. 50 000 juste pour animer les otages. Demande-leur combien d'otages. Hé, Jimmy, t'as combien d'otages déjà? Deux? Ça, tu verras au fil des négociations, mon grand. Il fait trop de mystérieux, capitaine, je vais péter un câble, il veut pas nous dire. Hé! Comment ça nous dire t'as combien d'otages? On va pas perdre notre temps, déjà t'en as un devant toi, essaye de sauver sa vie, après la suite on verra. Tu nous demandes quoi contre cet otage déjà? Ah, c'est juste pour information en fait, y'a rien qui est fait, on est d'accord? Ouais, vas-y. Ça, c'est carré. Vas-y, je m'asseoir sur le capot et vous me dites quand c'est bon. J'ai une question chef. T'écoute Jimmy, c'est Jimmy deux fois ou quoi? Il est où votre périmètre de sécurité là? Ah, il est là, mais c'est juste que vu qu'il y en a trop, vous le voyez pas. Vu qu'il y a deux banques quand même. Ma blague, elle était drôle, pourquoi ils ont pas rigolé? Ah, mais oui, c'est normal, c'est moi qui ai envoyé les autres, c'est mes sicars. Ah, c'est vous qui. Ah, mais attends, mais t'avais raison, non? Comment? J'ai pas compris. Il parle deux banques en même temps. Ce que je vous avais dit, capitaine, j'ai toujours un tour d'avance sur eux. Je croyais pas. J'ai toujours un tour d'avance sur ces petits cons, je les connais bien, capitaine. Oh, Jimmy! Bah, attendez, parce que je vois pas les barrières. Ouais, mais elles sont là, les barrières. Elles sont sur votre droite et sur votre gauche. Ok. Bah, regardez, déjà, ça va être très simple. Tu vois, pour le premier, tu veux pas qu'on se prenne la tête, mon petit rookie? Non, j'ai pas envie de prendre la tête. Tu vas commencer à donner des ordres là-bas. Ils vont enlever, là, tu vois, tout ce qui est à droite, là, à ta droite à toi et à ma gauche à moi. Ouais, je vois, toutes bien les sûr. Les barrières. Et s'il y a des herses aussi, vous me les enlevez. Et puis après, lui, là, je vous l'envoie. Lui, là. Et qu'est-ce qui nous assure que tu nous l'enverras? Et justement, la confiance, ça commence par là. Hein. J'ai pas confiance en toi. Puis quelle confiance tu as sur des flics? J'ai aucune confiance en toi. La vérité, dans tous les cas, si t'enlèves les barrières, je crois que je vais faire quoi? Je crois que je vais courir. Tu vas me tirer dessus. Je crois que je suis con. Là, c'est des échanges de bons procédés pour que je puisse prendre la fuite tranquillement. Bon, il me prend la tête avec toi. Dis-lui oui. Fais un petit pas. Et après, je te ferai des petits pas. Ok, Jimmy. C'est bon pour nous. Voilà, bah allez-y, je vous regarde faire. Franchement, allez, prêtez, il y a des collègues. Il y a des collègues. Capitaine Imed, voilà. Je sais pas, en fait, il y a des procédures à suivre. Genre des trucs vraiment à suivre et tout, mais j'arrive pas à tout connaître encore. Vous ok,
Le preneur d'otage demande à ce qu'on enlève les Hers et ils nous laisseront l'otage. Celle-là, ce côté. Les Hers, il nous a demandé celle-là là-bas. Quel côté? Il y a que moi qui les vois, je crois. Il a demandé ce côté là-bas, là, si je me trompe pas. Hers, ouais, moi je les vois pas, les Hers. Ouais, oui, moi je les vois, je les vois. Oui, et sont, okay. Bref. Envoyez, enlevez toutes les Hers sur toutes les barrières, ok? Pour l'instant, ils ont un otage qui est visible, qui est devant vous. Vous avez pris, vous l'avez pris en photo? Moi, non, l'otage d'arrivée, non. Affirmatif, il est pris en photo. Affirmatif. Ok, est-ce que vous avez été dispatch sur les poursuites? Non, ouais. Les poursuites sont faites, à part pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, ah tu les dispatch bien 81. Tu t'assures que tout soit bien? Ok. Ouais. Appelle les EMS aussi, comme ça ils peuvent récupérer les otages et on pourra tous être sur la poursuite. Bon. Ouais. Je comprends plus rien, en gros, il y a une prise d'otage et il faut qu'on négocie là pour qu'il lâche les otages. On vient d'arriver avec la dame 21 et on se met sous le cri, quelle patrouille. Vous voyez, 81, c'est lui qui dispatch. Ok, ça marche. Oh, ma casquette, elle est tordue. Du coup, c'est qui est pas là? Ah, il y a la dame 21. Nono, oublie pas de prendre les identités des otages, c'est important. On en a un déjà, c'est Jimmy Bishop. Non, ça ça va à cœur ça. Non, ça c'est un premier otage. Ah ok, désolé, j'étais pas concentré. Ok, les otages. C'est bien. Tu veux pas les lâcher, dis-moi. Ah merde. Excusez-moi, j'ai oublié un truc dans la voiture. Le rattrapage. Allez, c'est votre première opération, pour votre retour, faut pas que ça foire. Hein. Pas facile, point com. On va enlever les Hers et on va faire ce que vous nous avez demandé. Merci. On espère que vous allez faire ce que vous nous avez promis. Eh bien, bien sûr, quand même. C'était quoi la promesse? La promesse, c'est que vous relâchez l'otage et que vous, vous le laissez partir, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Ça commence par là. Finis tes phrases, j'ai rien compris. Je sais plus c'est quoi le mot. Il est mystérieux. Moi, je suis là pour l'argent, je suis pas là pour te faire plaisir, je suis pas là pour. Capter. Ok. C'est quoi ton prénom d'ailleurs? Moi? Ouais. Nordin, Nono, appelle-moi Nono. Et ton matricule? C'est 13. T'as la vie de ma mère, on dirait c'est nous. C'est eux, ils font. T'as vu, c'est nous, on pose des questions. Ah, il me demande mon prénom, quoi, y'a rien de méchant, mais bref, c'est pas ça le sujet. On espère que vous allez tenir votre engagement, sinon ça va aller plus loin et personne souhaiterait en arriver à là. Comment ça, ça va arriver, ça va aller plus loin? Vous savez très bien de quoi je vous parle, vous allez pas, je vais pas vous faire un dessin quand même. Putain, c'est quoi, tu vas faire une descente? Oh, j'aime bien la rime, mais non, c'est pas ça. Bon, allez, on fait comme ça. Ouais, t'as vu ça? C'est bon, le périmètre il est dégagé ou pas des deux côtés, oui, monsieur? Oui, allons faire oui. On y va? Allons faire oui. Oui, le périmètre est dégagé, oui. Ah, c'était une question, hein. Et barrière? Ah, c'est barrière, on va t'enlever. Les barrières, tout est dégagé, tout ce que vous avez demandé est dégagé, laissez l'otage et. On va vérifier tout ça, ils ont été enlevés là-bas, là. Comment ils marchent, là? Dédicat. Lui, c'est lui qui a fait flop mon coin couvert, si vous vous rappelez. C'est bon, tiens, il est à vous. Parfait, venez par ici, j'ai le main. Voilà, premier échange de bons procédés. Mon merci aussi, Jimmy. Juste là, ouais, ici. Occupez-vous. Approche-toi un peu de la barrière qui t'entend. Carré en vrai, non, carré en vrai. Ah, c'est que des rouges là qu'ils ont pris. Ah, mais c'est les mecs du quartier en plus là. En plus, c'est ouais, c'est. Je viens de le reconnaître là. Bonsoir. Oh, les cops. Voilà, meilleure pression. L'otage, on peut parler avec l'otage? Ouais. Défoule-toi. Vous êtes combien à l'intérieur d'otage? Réponds, je te mets une balle dans le front. Je sais pas. Ah, on leur a mis un masque sur la tête, hein, ils se voient pas en face. Ouais, casse les couilles. Ouais, je vois pas, je vois carrément pas, je sais même pas ce qui se passe. Ok, ok. Vous allez lâcher l'otage ou vous demandez encore qu'on vous ramène, je sais pas, un hélicoptère? C'est quoi la suite? Pourquoi pas, hein. Un hélicoptère? Putain, je leur ai donné une bonne idée, là. Ah ouais. T'avais été vraiment con, toi. La fuite ma mère. Eh les gars, j'ai une idée. Bah c'est bon, un hélicoptère contre un otage, c'est bueno. Pourquoi vous me pointez? Ah ouais. Non mais dire que c'était une blague. C'était une blague, vous avez cru qu'on est qui pour faire apparaître des hélicoptères comme ça? Vous avez cru que c'était, hein? Bah vous non, êtes fou quoi. Chercher surtout. On va. Eh, c'était une blague, arrêtez de tout prendre au sérieux, c'est. Ah donc là, si en désaccord, je dirais que c'est une blague, j'ai un joker moi aussi, c'est bon. Eh, on peut pas faire venir un hélicoptère comme ça, ça se passe pas comme ça. C'était une blague, seigneur, ou pas? Oui, bah oui, c'est une blague. Bah oui, dis-lui. Oui, c'était une blague. Ça se voit, non? Ça veut dire que. Non, ça se voyait pas. Parce que moi, je suis sérieux, Hermano. Vu que c'est une blague, bah dès que on pourra pas s'entendre à un moment donné, bah je pourrais utiliser le joker de la blague, moi aussi. C'est bueno? Non. Comme ça, on est égaux. Ah, donc vous voulez pas qu'on soit égaux, seigneur? C'est pas ça, mais qu'est-ce que vous demandez contre la libération? J'avais quand même répondez à ma question. Pourquoi vous esquivez, seigneur?
Moi j'ai 50 000. Wow. Non, 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 moi, vous savez ce qu'on va faire? Voilà, je suis le pire négociateur. Je veux 10 parachutes. Allez, Ben, pour lui là. 10 parachutes ça vous allez faire quoi avec des parachutes? C'est pour les utiliser, pour faire du tissu. Capitaine, j'ai jamais entendu ça, il demande des parachutes. Pour faire du tissu. Innovant. On va accepter les parachutes contre l'otage, c'est bon allez, pour nous. Dépêche-toi. En vrai, c'est le meilleur procédé. Hein, demande-leur combien ils en veulent. Combien vous en voulez? 10, c'est ça vous avez dit? C'était 10. Ok, 10 parachutes. Yes. Capitaine. Ah bah ouais, moi je vais voir ce qu'il y a dans le coffre. Hein. Ouais, j'ai rien compris pourquoi ils veulent des parachutes, les gens. Bah oui, tu as parlé d'hélicoptère, forcément, qui parle de parachute hein, maintenant. Bah, moi, c'était une blague à la base. Ils demandent à ce qu'on leur donne 10 parachutes contre l'otage. Ah ouais, ça. Et si on fait ça, faut déployer un ASD, mon capitaine. Je alors, pense. Les gars, si justement ils parlent de parachute, ça veut dire qu'ils vont parler de forcément de sauter de quelque part. D'accord, bon, bah très bien. Mais là, actuellement, dans la vidéo, il y a un parachute, cas. S'il faut. Alors, tiens, toi, je vais te donner ça, tu donnes à tous les flics un parachute, c'est bon? Très bien, mon capitaine. C'est pour ça qu'il m'a donné un parachute. Il est trop intelligent, ce capitaine. Attendez, venez. Vous avez capté pourquoi il m'a donné un parachute? Ça va se finir dans les airs, tout ça. Je sais pas comment on va en arriver dans les airs. Parfait. Je te donne ça. Tu leur donnes des parachutes. Parfait. Par contre, il faut qu'on ramène un hélico sur place. Hein. Dis-moi. Ok. D'accord. Je vais leur donner. Attends. Nous, on va prendre la voiture et prendre un hélico. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, à on vous. Pourra aller suivre un hélico. Ça me va. Alors, tu sais quoi? LSMD, bonsoir. Bam, 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 bam. Je vais prendre un hélico, j'arrive. C'est bon? Tu parles avec eux tranquillement. Ça marche. Je leur donne pas, on est d'accord encore? Pas encore. Attends, j'arrive. Okay. C'est bon? J'arrive. Tu veux un parachute toi aussi, c'est bon? Oui, c'est bon. Après, on va aller sur le côté. Oh, j'ai des matrixés. C'était ouf, voilà. Ah non, non. C'est oui. Comment, chef? Vas-y, sors-moi de là, s'il te plaît. Là. T'inquiète pas, on est en train de travailler sur ça. Ok, on va vous envoyer vos 10 parachutes. Okay. On fait comme avec le premier otage, on vous donne les parachutes et vous lâchez l'otage. On se base sur la confiance, c'est bon. Pas de soucis, c'est mon gars derrière qui va s'en charger de récupérer. Tu t'appelles comment l'otage? Bobby. Ok. Ouais. Bobby, ouais, ben là. Patientez le capitaine, il va arriver, on va faire tout ça. Ouais, Bobby. C'est bon, Bobby lui, Smoke, c'est mon les famille. Gars, Bobby Smoke. Il dans la maison. Bobby Smoke, okay. C'est ça? Ouais. Ok. Je connais un peu ton quartier, tous tes potes. Mais c'est quoi son quartier? Bah je vais pas te dire, je suis pas obligé de répondre à toutes tes questions, non? Bah... Si réponds, j'ai pas envie de mourir, s'il te plaît. Ouais, je sais plus, voilà. Bah, c'est tellement... C'est quoi le chat? C'est quoi le chat? Ils ont ramené un oiseau. Je sais même pas c'est qui. Si, c'est Bobby, là, c'est Bobby Smoke, tu viens de le dire, là. Bien, Lilico, bien. Là, mets ça. C'est bon? Je peux leur passer les parachutes. C'est bon. Qui c'est qui vient récupérer les parachutes? C'est bon, c'est trop tard. Hein. C'est mon gars derrière qui prend les parachutes, monsieur. Il vient ou... Ils discutent, ils arrivent, je crois. Ouais, chef, viens avec moi. Moi? Ouais. Avance, là. C'est bon, vous allez faire l'échange, monsieur. Voilà Jimmy, je commence à bien t'aimer là, t'as vu? C'est tranquille, non? Tranquille, bien sûr. Ok. Non. Après, dis-lui à quel point. Tiens, touche. T'as vu à quel point elle est limite. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Commence pas, on était en train de bien s'entendre. Je lui montre à quel point elle est. C'est toi qui récupères les parachutes? Bien sûr que oui, tu vas me les donner. Je vais les compter. Putain, je suis pas sûr de comment on donne. 10. Tu m'en as ramené combien là? 2, 4, 6. 8, 10, c'est bien. C'est bien, tu sais bien, ils sont fonctionnels au moins. C'est bon, c'est carré. Ils sont fonctionnels, hein. Bien sûr, ils sont fonctionnels. Ah, ouais. C'est quoi? C'est... Ça se voit qu'ils sont neufs, non? Ouais, t'es monté. Je peux y aller, c'est bon. Allez, vas-y, fonce. Allez-vous, mais par ici. Bien vu, les gars. Oh, Nounou, dès que ça part, on monte dans l'hélico qui est là. Hein. Tu vois l'hélico là? Ok. Je vais où? Et si jamais le parachute, si tu dois sortir avec le parachute, va avec les agents là-bas là. Okay. Oh, Nounou! Attendez, il va me parler. Tu la passe? Tu crois que je suis con ou quoi? Un peu ça par terre. Tu peux rester comme ça? En plus, j'ai dit quoi? T'aurais pu le placer là? T'es vraiment con. Ah ouais? Je savais pas. J'ai pas entendu. Là.
Et ouais, tout à l'heure j'étais en train de m'habiller dans le bingo, t'es venu me faire une blague de mauvais goût là. Ah, t'étais aigri, j'ai remarqué, t'étais pas de bonne humeur quoi. Ouais, c'était moi. Tu voulais que ce soit qui? Bah, je sais pas, moi je. Putain, celui derrière toi, il m'aurait vu, il m'aurait arrêté. Comment ça? Je l'ai pas reconnu, bah c'est Didi Bishop, il a un modèle arrière sur la tête. Il est most wanted, hein, le dame. Ah ouais, il est connu. Ah ok, bah, moi je. T'en rappelles pas, je t'ai dit il y a 5 minutes qu'il avait tiré sur des flics hier. Ah, ma mémoire, je vous ai dit, elle est pas longue. Ah ouais, il s'en bat tellement les couilles de ses collègues qu'il a dit. On m'en bat pas les couilles, arrête de dire ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Béha, allez, on y va, capitaine. Mais viens, ouais, je suis en train de négocier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un truc de balle. Non, mais c'était juste pour l'effet cool, quoi. J'ai dit, on y va en mode, t'as capté, c'est pour faire. Bon. Là, j'ai. Vous savez que c'est quoi, Koubeh? Je suis le plus heureux. Il m'avait frustré tout à l'heure. Le dernier? Ah, je suis grave un bon. Lourd, hein? Lourd, t'as vu, tu viens tellement à toi, ils sont pas. Le non! Oh, excusez-moi, je m'ai lassé. Tu m'as dit quoi? Quoi, Koubeh? Ok, bien joué, un partout. Bon, pour de vrai. Sale bâtard. Tu as vu, là. Comment? Hein, pour lui, allô, là. Ah ben je t'écoute, c'est toi qui dois réclamer, c'est pas moi. Allo là, tu vas me faire partir deux véhicules là pour sa gueule. Deux véhicules? Ok, capitaine, il réclame deux véhicules. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Retour là. Attends, on va voir en même temps si t'as bien appris comment on dit, je retourne au PDP. 19. Quoi 19? 10-19, j'ai dit écoute un peu, t'as du mal pour dans les oreilles ou quoi? Du coup 10-19 pour les deux là, s'il te plaît là. Ok, mais les deux véhicules ça sera pas possible. Eh ben pourquoi? Ben ça sera pas possible, c'est comme ça, il y a des choses qu'on peut pas vous fournir et les deux véhicules ça sera pas possible. Des arguments un minimum quand même. Dis-lui que c'est un braquage de banque, il y a énormément d'argent dedans. C'est un braquage de banque, il y a énormément d'argent dedans et c'est comme ça, on peut pas vous fournir de véhicules. En fait le capitaine ils entendent pas, ils me parlent à côté, ils me chuchotent, c'est pour ça ils me chuchotent à l'oreille. J'aime bien Nono. T'aimes bien? Dis-ce que tu vas m'enlever. Ouais, je t'écoute. Hélicoptère de merde là. Capitaine, il demande à ce qu'on enlève l'hélicoptère. Il lui dit que malheureusement, on va pas pouvoir enlever l'hélicoptère. Malheureusement, pour des questions de logistique, on pourra pas enlever l'hélicoptère. Vas-y, enlève-moi une voiture, c'est tu me casses les couilles, non. Dis-lui qu'on va enlever une voiture. On va enlever une voiture. Vas-y, c'est bon, tiens, vas-y, pars toi. Je suis sapé du choix là. Wow. Libérable. Voilà, je suis sapé du choix. Super. J'aime bien être votre marionnette, monsieur le capitaine. Il faut être ferme. Merci, j'aime bien, j'apprends. C'est bien. En fait, dans l'hélico, faut être vif, hein. Ok. En fait, quand il parle, il chuchote, il parle qu'à moi, c'est pour ça, y'a personne qui entend à part moi. Il me met bien. Retirez-moi une gomme, s'il vous plaît, les gars. Retirez-moi une voiture. Qu'est-ce qu'il est le plus vieux ici? J'avoue, ce qui est le plus vieux du chat. C'est qui pense avoir l'âge le plus vieux? Sans troll. C'est pas moi. Ah ouais. 32 Bendejo. Oui. Pas mal la coupe, hein. C'est une teinture que vous avez fait, monsieur Bishop? Non, c'est ma couleur de cheveux naturelle. Ah, vous faites vieux, vous avez quel âge là? J'avoue, ce qui est le plus petit aussi. Ce qui est le plus vieux, ce qui est le plus petit. Merde, faut que je suive, attendez. Faudra vous rendre tôt ou tard, hein. Vous savez qu'on va vous attraper, hein. Mais non. C'est que des blagues, ça. Ah bon? Ça, c'est que des boutades. Ça dure 4 ans la cavale, hein. Mais y'a personne qui va m'attraper, chef, entre nous. Ah, il y aura bien un jour, on aura de la chance quand même. Tout est prévu, tout est manigancé. On aura bien de la chance un jour quand même, j'espère. J'espère, hein. J'espère pour nous quand même. Ouais, c'est vrai, attends. C'est vrai que j'espère. Bon, nous allons mettre fin, un terme à cette négociation. Bah, Jimmy, si je peux te dire quelque chose avant de partir, c'est que t'as l'air d'être quelqu'un de bien au fond. Et je vais pas faire le suceur, mais. Tu peux toujours changer, et même si tu penses être un brigand, sache que on a tous un bon fond dans la vie. Et toi, un bon fond. Là, la seule chose que je peux faire si je me rends, c'est mourir, peine de mort. C'est bien, waouh. Ouais, c'est vrai. Encore, que c'est... monsieur le capitaine, il y a plein de choses qui sait pas, et ça, c'est cool. Non, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a un dictionnaire. Il y a beaucoup d'autres choses, Jimmy, que vous pouvez faire. Si seulement, peut-être un jour on aura l'occasion de discuter avec le capitaine, tranquille. Avec plaisir. Autour d'un verre, hein, pourquoi pas. Voilà.
Bon. Après cette poursuite. J'ai envie de lui lâcher un quoi couper, mais j'ai peur de le flop. Eh bien, donnez-moi votre numéro, monsieur. Moi, je l'ai pas, moi, votre numéro. Mais allez-y, allez-y, prenez-le, prenez-le. 5-5-5, en parlant. Faites-moi à la nouvelle technologie. J'espère que vous avez un. Ouais, j'ai un iPhone 12. Là, j'ai peur le chat. Voilà, on est un partout, j'ai pas envie. Un partout, j'ai pas envie. Eh ben pour le dernier, je vais vous demander 15 000 $. Ça me semble honnête. Moi, je suis honnête. J'ai faim. J'ai du pain si ça. Non, t'inquiète. Non. Ok, j'arrive. Ok, nickel. Putain, j'ai envie de lâcher un coucou, ben voilà, je suis en train de que réfléchir. Tu voyais ma tête, elle fait que réfléchir à un plat pour lui mettre. Bois de l'eau, ouais, heureusement vous me le dites par contre. Comment on boit? Hop. Voilà, je fais que réfléchir à comment le placer le coucou, ben. Comme ça, il y a 2-1. Je vais bien dormir ce soir. Attendez, vous voulez pas l'argent? Non, mais t'inquiète pas. Reculez. Otage, il est là. Là, non. C'est quoi? Il va me donner quoi là? 15 000. Ok. On est pas à... Qui c'est qui récupère la somme? Ça va être lui-même. On va donner la moi. Pour l'instant. Vas-y. Tenez. Oui. Pareil vous les gars, pour que... Merci. Je vais aller compter ça et je reviens vers vous. Ouais, l'hélicoptère, faut pas que je me rate. Faut que je vais direct, bam, je monte. Bam, éclair. Je sais pas ce qui va se passer. Quoi? Ouais, on va voler, je sens, je vais mourir dans le ciel. Ah, vous sentez le parachute qui va pas s'ouvrir ou pas? Ah, mettez une prédit, voilà, mettez une prédit, les modos. Est-ce que Jamel va déployer son parachute ou mourir? Ordine, tu me suis? Ouais. Allez, viens. Je sens, tu vois, même moi, je sais pas comment on le déclenche. Il m'a pas dit, je vais appuyer sur toutes les touches. Hop. Va pas falloir les lâcher l'ordine là. Hein. Comment? Va pas falloir les lâcher, hein. Saute pas, okay. Hein. Ouais, je vais bien sauter, je vais pas. Vous inquiétez pas, je floppe pas, moi. Oh putain. Voilà. On a le goût de flopper. Oh putain. Le chat, je vais mourir. Le chat, je vais mourir. Je sens déjà la musique quand je vais mettre. Lui, on a fait décoller les SD pour des mesures de sécurité. Ça s'est bien passé la négociation ou c'était pas trop ça? Franchement, je vous mets. Une petite note. Pas trop ça, hein. Capitaine? Vous entendez? Oui, je suis là. Je rends un pilote en même temps. Ah, ok. Vous m'avez donné une note du coup, j'ai pas entendu. Bah, je vous mets 2 sur 10 quoi. Hein, ah, ouais, quand même. Les otages, c'était compliqué, hein. Ah, ouais, hein, c'est. Ouais, on va travailler ça un peu, on va travailler ça. Comment ça, bonne nuit, les fouets? T'es un raciste ou quoi, mon fouet? Les fous, lui. Ah, là, tiens, mettez la prédit, y'a pas de modo, y'a aucun modo là, non. C'est obligé, y'a un modo. Mettez une prédit là. Flop, parachute, oui, non. Pitez pas, les gars, pitez pas. Oh là là, je vais flop le chat. Oh là là, je vais flop. Je vais rater, je vais mourir. Les logs, c'est bon, avec la caméra, tu les vois? Attendez. Tu peux faire E, ouais, tu vises et tu fais espace. Je vise. Ah mais c'est pas eux, je suis ouf, moi. Ils sont où? Ah là. Ah moi, tu vas pouvoir les logs bien. C'est bon, je les vois. Avec espace, tu peux lock. Avec quoi? Espace, ok. Espace, quand tu vises, tu lock. Ah ouais, ok. J'ai galéré bon, à lock. Là, Golden doit être sur mon stream, il voit galérer comme un couillon de pute à l'heure. Ah, y'a la prédite chat, votez. Oh là 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 là, j'ai... On dirait que je vais sauter dans la vraie vie. Parachute, les gars, hein. On dirait que je vais sauter IRL, voilà. Tiens, là, tu flopes, j'ai prédit oui. Je sais même pas si je l'ai mis sur moi, le parachute, c'est ça le truc. Mais j'ai pas envie de lui demander, j'ai envie de me débrouiller. J'ai pas envie de lui dire est-ce que je l'ai mis ou pas, là, c'est bon. Le HRP, y'en a eu trop, là. Ok, il monte possiblement en haut du panneau Bynewood, les gars. Y'a combien dans la prédit? Attendez, j'ai envie de voir. Putain, je l'entends plus du coup.
70 000 sur 800, 5000 sur non. Ah ouais, ça va, vous faites confiance. Là, 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 faut pas rigoler, hein. Ouais. Oh là là. Les copies, vous anticipez par en bas, vous. Évitez de piter là, s'il vous plaît. Te dire que tu vois, dès qu'il y a des otages, t'es en fait t'es un peu leur pute, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est moi, on dirait qu'il est dirigé. Ouais, c'était dirigé, tu vois. C'est normal, t'es cadet, t'es là pour apprendre, tu vois. Mais prochaine fois, faut être un petit peu plus dans la. Je vais vers ce que vous voulez, tu vois. Ok, ok. Au début, tu vois. Et si tu vois que tu peux le pisser dans le cerveau, pisser dans le cerveau. Ok, là, normalement, je l'ai mis là. Vu que lui, il est en cabale et qu'il a chassé tout le monde, tu vois, lui, s'en bat un peu les couilles de tes morales, tu vois. Mais il y en a d'autres, par contre, qui vont lâcher direct, tu vois. Ok. Attends, ça, on va vérifier. Tu vois, ça adapte au mec que t'es en face de toi, hein. Je l'ai pas, wesh. Pas un shit, wesh. Je l'ai ou pas? Et il redescend du coup. Putain, je sais pas si je l'ai, voilà. Je sais pas si je l'ai le chat. Ah, purée, mais non, t'es fou, quoi. Je vais le faire en plus, t'es malade, toi. Ça fiche pas, ok. Oh là là, j'ai peur. Ah, je vais me cacher dans un trou si je rate, si je flop, je fais genre mon stream il a cut. Je me casse, je vais me cacher. Ouais, c'est 3 heures de stream là. 3h30. Ah, qui repasse par là encore, non? Putain. Ça va partir en 4h, je pense, GTRP, après ça va sur Burt. Il est quelle heure là? Même Burt, t'es tiens, t'as 1h du matin, va avoir des fous. Sur toi, arrête, tu mets la pression. Arrête, déjà j'ai la pression, tu me rajoutes une pression là. Bon, là c'est l'instant pseudo dans le chat là. C'est l'instant où vous mettez la commande pseudo. Et là que tu fais espace, hein, jamais. Ouais, je sais. Merci. Et c'est l'instant pseudo, mettez la commande pseudo et vous renommez tous un chômeur. C'est tout, c'est comme ça la vie. Un jour ou l'autre, vous allez le faire dans tous les cas. Autant que ce soit maintenant, autant gagner du temps, non? Un jour ou l'autre, vous allez vous renommer un chômeur. Un jour ou l'autre. Ça veut dire commencer à le faire dès maintenant. Hein. Ça y est, on va pas. Et d'ailleurs, les JL, c'est encore. Alors, ou pas c'est la dame vraie... de 40, s'il vous plaît, les connaît pas trop, pensez à anticiper. C'est une vraie question. Vous voyez qu'ils montent en haut. Genre, ça date, j'ai pas vu un pseudo avec JL. Non, ah ouais? Parce que ça date vraiment avant, il y avait grave des blazes avec le JL. Ils sont armés, reculés, attention. Ah bah si, AK-D7, je suis ok, ils sont remontés, 80, tu anticipes. Eh là, y'a aucun JL dans mon chat, mais c'est une dinguerie. À l'époque, y'en avait... facile, 20 par chat. Wesh. Fais quoi? Y'en a un qui saute en parachute. Wesh. En parachute, y'en a un qui est tombé, ramassez-le. Eh, je vais finir comme lui, le chat. Je rigole, mais je vais finir comme lui, il est où? Eh, je vais finir comme lui. Oh putain, j'ai peur, Direction le casino. Oh là là. Il m'a traumatisé là ce qu'il a bien fait. Bien sûr. C'est des parachutes multicolores en plus. Non, non, si tu veux en prendre un parachute, tu me dis. Hein. J'en ai déjà un, non? Non, non, si tu te sens capable de sauter dans ce suivre un, tu me dis, sinon on les reste en hélico. Hein. Si ça se passe mal, capitaine. Ouais. Et si ça se passe mal? Ah, c'est pas grave, ça donne mal. C'est la rue. Hein. C'est la vie, on va tenter, capitaine. Allez, vas-y, go. clic droit quand tu sautes, hein. Ou clic gauche, vas-y, go. Putain, attendez, clic droit ou gauche, faut savoir. Les deux tentent la porte. J'ai peur, Captain. Vas-y, go, saute. Captain, vous savez quoi? Non, non. Ah, je t'aime, non. Ah. Ah. Attends, wesh, je vais trop vite, là. Attends. Wesh. C'est un flop ou pas là, je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, wesh? Je suis un poulet ou quoi?
Voilà, ça c'est... Capitaine. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, j'ai même pas c'est un flop ou pas là. C'est un moitié-moitié, j'ai réussi à le déclencher mais je suis mort. Eh, on annule l'après-dit ou quoi? Et j'ai réussi à faire un entre deux. Ça va. Oh putain, capitaine, j'ai... Et je m'attendais à tout, sauf à ça. Bah oui. Oh là là, annule, annule, en vrai c'est entre les deux, on avait pas prévu ce cas de figure là, on savait pas. On annule ou pas, ouais, annule, annule. C'est entre les deux, ouais, j'ai pas flop et j'ai flop en même temps. Moi c'était soit je le déclenche pas, je meurs, soit je... Mais là c'est passé les deux en fait. Voilà. Oh là là. Mais j'allais trop vite frère, moi je croyais que j'allais... En bas de boule, regardez en bas de boule maintenant. Ouais, ouais, je le vois. Voilà, heureusement le capitaine c'est un bon avec moi. Voilà, heureusement c'est un bon le capitaine. J'aurais été ban il y a des mois là. Les autres sont où? Je les ai perdus de vue, j'ai que la voiture en vue moi. Niveau du code 3. Ceux qui ont sauté sur l'autoroute, ils s'en fait attraper en parachute? Ouais, y'en a qu'on a eu, ouais. Ok. Ça va, ils l'ont attrapé au moins. Police cimetière. T'es encore sur GTA, mais c'est... Je suis dedans là, j'arrive plus à en sortir, frère. Je suis rentré dans le truc. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans le live où j'avais oublié que j'étais en live. Voilà, il y a eu grave des moments où j'avais oublié que j'étais en live carrément. Tellement j'étais à fond dans le truc. J'espère qu'il y aura un best-of là. Pas trop bas de toi là, foutez-tu hein. Ok. Je sais pas si ça vous intéresserait un format série sur YouTube, en mode épisode 1, épisode 2, je sais pas. Comme si c'est une série Netflix. Mais. T'as peur de voir que la voix? Non. Ah oui, la blanche. Oui. La voix, je la vois. En vrai, vous me dites oui, je vais sortir une vidéo, elle va faire 100 vues, frère. Je vous connais, vous, maintenant. Non, en vrai, pour de vrai, merci, la dernière vidéo, elle a grave bien marché. Je sais pas pourquoi, elle a fait, je crois, 2000 vues en 24 heures. Alors que c'est pas du birthday chat, c'est pas ce que vous aimez de base, quoi. Enfin, c'est... C'est grâce à moi, non, c'est grâce au coup de pression, je vous ai mis, oh, je vous ai... Oh, le ici. Oh, ah ouais, j'avoue. Je vous ai dit, s'il n'y a pas 500 likes, je live pas, non, vous allez tous liker, la perte c'est direct. C'est ça qu'il faut faire, quand elle sort, bam, faut envoyer une avalanche de likes, de commentaires, comme ça elle se référence bien. Petit à petit, après ça va monter un jour peut-être, on sait pas. On finit la scène les frères, on finit la scène, après on bouge. Enfin, on va faire une petite partie civile, vite fait, rapide. Genre 10 minutes civile et après on bouge. Ça, depuis le début du live, de base je n'aime pas le GTRP, mais là je kiffe. Ah ouais, tu sais que, et voilà, c'est genre de messages, c'est les meilleurs messages, ça me rend trop content. Si j'ai réussi à vous faire aimer ça, il va se faire attraper celui-là. Je le sens. Comme, je sais pas ce qui est chat, dans le chat, on le fera une fois tous les deux lives. Ça veut dire, comme je live une fois sur deux, une fois tous les 4 jours. C'est bien en vrai. Ça fait... C'est bien en vrai. Ouais, c'est bien. Merci Enzo. Le problème, c'est vu que lui, il est au state, tu vois, et parfois, il a des problèmes. Le mec, il conduit, là. Ah bon? Ouais, vu qu'il est au state, parfois, tu le vois devant, mais il est derrière. On parlait de la voiture blanche, on est d'accord? Ouais. Ah, ok. Non, je vais jamais jouer en live, c'est nul si vous ratez une partie de l'histoire. Et j'aurai qu'un live. Pardon les canaux. Et là, vous pouvez pas me dire que tous les lives c'est les mêmes, là, je vous le dis direct. Et cette semaine, il y a eu... Bon, j'avoue, il y a eu un live, c'était le moins original. Omega, bah là, Birthday Chat. En vrai, lui, hein. Mais là, ça va, ça a été varié, là. Avec ce qu'il va y avoir début mars, la semaine chômeur. Et la semaine chômeur, faudra pas la rater. Il y aura le chômeur 2. Ça va être le plus gros live de l'année pour moi. Le chômeur 2, je vais tout miser dessus. Ça va être. Passe pas tout pour le suivre. Ça, on va sortir les pépettes pour le live.
Non, les chômeurs, je crois, ils sont pas trop RP. Pour l'instant, on a plus en visuel sur le 10-35. Ah si, on le voit encore. Tu le vois en dessous là? Tu le vois en dessous? Je le vois, je le vois. Actuellement, il est au niveau, il se redirige centre-ville. Il est au niveau du parking Pôle emploi maintenant. Oui, c'est chez moi ça. Il passe dans les tunnels, j'ai répète, il passe dans l'emploi. Les tunnels, souterrains. Il est dans les souterrains, mesdames et messieurs, actuellement on l'a plus. T'es une girl, comment ça t'es une girl? Ouais, j'avais mis que ça allait dire t'es une girl. T'es overbooked ou. Parle normalement, ouais, je parle français ou je sais pas. T'es une girl. Ça y est, dans les souterrains, on l'a plus. On l'a plus. Non, non, on l'a perdu. C'est mort là? Dans les souterrains, enfin, on peut pas aller dans le métro avec la voiture. Ah bon? Ah, enfin, il... ah, il est malin lui. Putain. Mais on sait pas où il ressort le souterrain? Le problème c'est que c'est un métro, tu vois. Ouais, ah, ça, il y a plusieurs sorties quoi. Ah ouais. Ok. Ah ben. Il nous a eu. Putain. Chier. Vous l'avez retrouvé, messieurs? Vous l'avez retrouvé? Je sais que mon poste il a 20 000 likes. Y'a un mec qui m'a envoyé des bots, frère. C'est trop laid. Je sais pas pourquoi il a 20 000 likes. Et je les ai masqués les likes à cause de lui. Eh, je vais le supprimer. Je le reposterai un autre jour. Ça y est, il m'a dégoûté du poste. Ouais, ça fait trop mec qui s'envoie des likes pour faire genre il a des likes. On dirait que c'est moi là. Y'a fait gaffe, c'est par ici. On remonte, on immobilise. Pourquoi la croque? Comment ça, j'ai le pire chat? Ils ont dit quoi? Je t'ai mis la lumière, hein. Tu les vois, on va? Avec une noire. Ah ouais, ok. Ouais, je le vois. Ah, il a pas pris de souterrain, lui? Lui, non. Ah, ok, bah il est con, lui. Arrêtez ah, l'heure de les déplanter, ils font tout le bien. Bah, il nous entend pas, là. Le lien, t'écris un pseudo, la commande pseudo, l'exclamation pseudo. Bon, ils vont l'attraper ou... Faut que je saute là. Imaginez, comme un héros, je saute en parachute sur le capot, bam, je lui mets un coup à travers la vitre et je le sors de la vitre. Oh. Bah, je passe capitaine direct. Capitaine. C'est moi le capitaine maintenant. Non mais je vais pas sauter, vous êtes fous quoi. Faut un minimum de RP, faut pas j'abuse. Faut pas oublier qu'il y a des streamers, ils veulent pas que ça leur gâche leur jeu. Genre, je fais le con et tout, mais faut pas l'abuser. Tu m'as pas retrouvé avec lui dans le terrain? Oui, je l'ai dit, je crois que je t'aime, mais frère, tu t'appelles Ilan, t'es... Je suis pas gay, moi. Ah, c'était Calu. Et voilà, vous me dites c'est qui, voilà, et voilà. Eh, je vais bannir tous les blasts des pseudos de oh. Des streamers qui sont sur le serveur. Wesh. Ça bouge, hein? Il est cool. Ça, je vais faire une liste des streamers sur le serve. Je vais tous ban leurs pseudos. Tu vois en bas, tu vois là en bas, il rentre dans le tunnel. Ah ouais, je l'ai vu. Il va sortir devant toi en bas normalement. Il va peut-être prendre l'autre sortie. Je le vois là. Ouais, je suis sur lui. Là. En vrai, le RP m'avait fané. Nous là, tu vois, on va pas pouvoir rester trop longtemps dans l'avion, on a plus beaucoup de fuel. Ah ouais? Ah merde. C'est 15 minutes max, tu vois. On va devoir descendre. On va devoir descendre. Ah ben. Ah non. Vous regardez qui comme streamer GTRP, vous? Je sais pas si y'en a qui regardent du RP de base. Peut-être qu'il y en a qui regardent même pas. Plan, un plan, une exemplaire dans un plan métro, lieutenant. Et là on poursuit toujours une berline occupée 2-3 fois mais tout est géré pour l'instant. Je suis pas un streamer GTRP, moi t'es fou quoi. M'associer jamais à ça, j'aime bien mais tu veux pas devenir un streamer GTRP. On va me déposer au poste, c'est mieux là. Ah pas trop sur ton bien s'il est bon RP. Des fois je regarde, il a un bon personnage, il fait rire. KMS. Oh bah voilà. Soin et Néo.
Il s'est fait attraper? Non, mais on a pas le choix là, tu sais, quand ça fait 15 minutes, on doit partir. Ah merde, ok. C'est une règle. Ah ok, je savais pas, ok. 4 minutes, c'est 15. Ah 15, j'allais dire, ça fait pas. Ok. Ah, c'est, tu vois, c'est beaucoup, j'imagine que c'est un hélico, bon. Non, après, c'est un peu, tu vois, c'est un peu abusé, quoi. Gary's cool. Voilà, vous êtes le pire chat, il a raison, l'autre. Non, en vrai, restez comme ça, vous êtes marin. Ouais, j'ai fait quoi? Bah voilà, petite soirée. Eh ben, c'était cool tout ça. Bien aimé, hein, c'est. Rocambolesque, comme on dit. Et vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Quoi, Koubé? Je vous avais dit, capitaine. Ouais, c'est vrai que vous avez le permis à dire. Eh ouais, il faut être à l'affût, toujours sur ses gardes, vous avez jamais me placé à moi. Ah, oh, on sait jamais. Non, 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 moi je suis le pro du Kwakubeh, à partir de maintenant, personne ne me placera un Kwakubeh, ça va être ma réputation dans cette ville. Je tiens ma parole que personne ne me placera un Kwakubeh. Eh ben vous avez qu'à, vous avez qu'à faire ça alors. Non, ça va pas marcher ça. Je vais, oui. D'accord. Bon, ben je voulais que je vous ramène chez vous. Ben, ouais, pourquoi pas. Vous voulez dormir où? Dans un appart ou... Non, moi j'aime bien dormir sous les ponts, si vous avez un petit pont. Pour l'instant, après, on verra pour un petit appart, je pense que je verrai tout ça plus tard. Bah, j'ai un truc pour vous, j'ai une petite niche si vous voulez. Une niche? Ah bah c'est parfait, ça me va bien tout ça. À l'office, au milieu. L'office? Ah, ok. Office. Ok. Voilà. Bah voilà, petite soirée. C'était cool tout ça, on a sauvé des méchants, on a sauvé des gentils. Ah oui. Pour les négociations, on va revoir ça, hein. Premier jour, bon, on me dira, c'est pas parfait, c'est normal, hein. Capitaine, prochaine négociation, vous allez voir. J'aurai pris des cours d'ici là, je serai le meilleur négociateur du monde. Mais il faut. Et trouvez-vous une gonzesse, trouvez-vous un petit duo, ça va être bien ça. N'inquiétez pas, mais mon duo, ça va être le duo le plus heureux du monde. Il va être trop content d'être mon duo, il va dire. Je vais lui mettre des pépites dans sa vie. Mais ma femme, on verra pour l'instant, parce que. Pas un BDG, moi, comme je vous ai dit, c'est les meufs qui viennent, c'est pas moi. Vous avez raison. Après, il y a les boîtes de nuit, il y a tout ça après qui vont ouvrir, hein, vous savez. Ouais, j'irai voir pour rigoler, quoi. Ah oui, bien sûr. Ah, celle-là, c'est pour vous. Allez, vous pouvez dormir ici. Ouais, super, merci, capitaine, merci encore. Vous rentrez, hein. Comment. Attendez, j'essaye un petit peu, je me. Hop, non. Hop. Oh, si. Hop, non. Hop. Comment je rentre dans ma petite maison, là. Ah, là, je suis bien, là. Voilà. Voilà, c'est super, ben merci. Ça vous va bien. Comment on fait un petit dodo, si vous voulez ce que je veux dire? Bah, vous faites Vous avez un petit comme ça, si quoi. Non, ouais, genre comme si je me prends une patate et je tombe KO, là, si vous voyez ce que je veux dire. Quand F9. Ah, bon, pas pour les chinois, hein. Ah ouais, c'est super, capitaine, ben merci. Eh ben bienvenue chez vous, hein. Petit... Oh putain, j'ai une crise d'épileptique. Eh ben bonne nuit. Bon, je vais dormir là, je suis bien aussi. Merci, capitaine. Bye, bisous. Bye, ciao. Bisous. Des bisous, ciao. Mouah. Je suis dans le futur. Je vois les traits, je vois les...